Hello, nous sommes le podcast en Saber le casque, meilleur podcast au Québec après Radio X. Wow, avec Marco Lalonde, puis son frère, un invité, un humoriste en gaz en France et la gaz de son. Meilleur podcast du Québec, wow. Salut tout le monde, bienvenue dans ce bar le casque, épisode 105. 105, yes! Yes, yes sir, yes sir, yes sir. Merci à tout le monde d'écouter, c'est deux secondes juste à aller liker nos shit. Si vous n'avez pas encore liké notre page Facebook, allez le faire, ça pourrait être cool. Puis sinon, si vous écoutez, abonnez-vous aux plateformes. Ou pas, là, on s'en colle. Ouais, non. Oh, ben, suivez la page avant que Marco s'endorme. Techniquement, ce serait pas plus juste. Likez notre page. Ça sera pas long aujourd'hui. Alors, épisode écourté. Hey, si vous pouviez avoir un scratch and sniff de son haleine, là, ça serait cœur, hein, en même temps d'écouter. Je chantais déjà la boisson avant de commencer à boire. merci à nos Patreons. Merci à Yann Tivierge, Gab Bio, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Joanie Morin, Benoît Breton, Yves Letourneau, Alex Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribault, Nathalie Sourlassin, Chem Bombardier, Sam Francoeur. Puis s'il y en a d'autres, je m'excuse. Ben oui, merci beaucoup. C'est là qu'on voit que t'es quand même pas pire en shape. Parce que t'as pris une petite pause pour faire. Gabio. Ouais, ben, j'ai dit vite, puis je me suis rendu compte que juste lire, mon cerveau, il est trop lent. Fait que genre, fallait que j'y dise lentement. On n'a pas de commanditaire cette semaine. Fait qu'on va présenter l'équipe. Pas de commanditaire. Fait que quand écrit commanditaire, soirée d'humour GHB, oui, les mardis oui, à 9h, je leur donne pas d'argent, mais Chris, je suis là, puis. Ben oui, absolument, ouais. Puis on était là-bas la soirée, c'était super. Cette semaine, ça a bien été? Ouais, cette semaine, c'était fucking sold out. C'était vraiment bien rempli. Nice. C'était un beau concept de réservation à faire, par exemple. Moi, je suis pas bon en bricolage, mais là, j'étais comme tabarnak. Là, j'ai 8 personnes à placer là, un, deux là. Puis là, j'étais comme à faire, là, t'as le monde qui rentre. Ouais, mais... tu places le monde en plus. Ouais, c'est moi qui fais ça, comme un grand. Mais non, c'était vraiment hot. Là, j'ai dit des saloperies qui sont même. Que je peux même pas dire dans le podcast. Ça s'appelle On se barre le casse. Ah ouais, mais moi, ça s'appelle GHB. Ouais, t'as gagné. Ouais, t'as gagné. Ouais. Fait que, on va présenter l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. Yes, salut. Monsieur Jeff Dénommé. What's up? Et très content d'avoir. Très content d'avoir avec nous cette semaine, monsieur Alexandre Card Cardinal. Yes! Oh, yes! Ben content. Ouais, merci. Ouais. Fait que, ben, en sujet intro cette semaine, des faits qui se sont déroulés en début de semaine à Dijon, en Côte d'Or. En Côte d'Or. Ben oui, la Côte d'Or. Dijon, Chris. Ouais. Un jeune homme qui a agressé 4 fillettes âgées entre 10 et 13 ans afin qu'elles lui remettent leurs chaussettes. Quoi? Attends, là. Ouais. Okay, on passe en soft, là. Oui. Ben, c'est comme le gatekeeper. C'est comme si t'aimes pas ça, décalisse, parce qu'après ça, on va dire des hosties d'énormité. Okay. Le gars, il s'est pris d'abord à 2 fillettes. Lundi après-midi, en moins d'un quart d'heure, d'abord dans le secteur de Carnot, puis rue Daxon. Un guest en France. C'est ça. Bon, oui, dans ce c'est pas que de la nouvelle, c'est le nom de la rue qui t'écœure. Ça se dit pas, ces rues-là. Ben voyons donc, ils s'appellent de même le rue. Donc, pour les forces de l'ordre qui ont été prévenues par les victimes, sont parvenus rapidement à identifier leur agresseur en exploitant la vidéo de surveillance de la ville. Il s'agissait d'un résident d'un foyer. Dans le fond, mardi en fin de matinée, il a suivi en vélo une ado de 13 ans dans la rue. Puis il a exigé sous la menace qu'elle lui donne ses chaussettes. Hein? C'est un esti sous la menace. Ouais. Attends, mais tu sais, rendu là, t'es juste. Moi, là, mettons, tu veux mes bas, juste propose-moi 10$. Attends, mais t'es donné mes bas. Il aurait acheté ses bas, puis ça aurait été moins. Il aurait pas été en cours, esti. Il aurait fait, il les a achetés. Ben, je pense qu'il y avait le trip aussi de elle me donne ses bas, là. Asti, que c'est weird, man. Dans le fond, le suspect a été interpellé mardi à son retour au foyer, puis il a été placé en garde à vue, il a été reconnu par ses victimes, puis les enquêteurs, puis ont trouvé dans sa chambre les chaussettes volées. Ça, c'est des fillettes. Elle a comme disant, comme c'est lui qui a volé mes bas. Ah, c'est weird. Oh, man. C'est drôle parce qu'en vieillissant, elle va raconter ça à quelqu'un. Puis, genre, comment les gens vont vraiment avoir de la sympathie? Tu sais, je veux dire, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vécu quelque chose de grave? Oh, ouais, on m'a volé mes bas une fois. Quand?
Il m'a suivi. Là, mais non, mais tabarnak, c'est traumatisant, c'est un vrai vol. Imagine, je t'attaque. Sous la menotte. Je te glisse par terre. J'enlève tes souliers, je pars avec tes bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus c'est quoi la menace. C'est ça, c'est ça. Sinon, je vais chier à terre. OK. Je vais chier. Il se baisse les pants, c'est comme ça s'en vient, là. Je vois la tête. Tu restes là. C'est que c'est oui, parce que le gars, il n'a pas voulu donner d'explication sur son geste. Clairement, ben c'est un fétiche bizarre. Rendu là, Inoué. Là, je voulais juste m'expliquer. C'est pour me crosser d'un bas que je l'ai fait. Tu sais, qu'est-ce que ça y aurait donné de plus? Nous, écrit sur le monde comprend. Tu sais, le juge aurait fait Ah, ben oui, OK, ça fait du sens. D'abord, adjugé, vous pouvez le laisser aller. Ben là, c'est-tu un crime? Ordonnez-y son basic, Asti, à cet homme-là. Ce pauvre homme seul et triste. Ah, oh, mais c'est ça. Yes, parfait. Oui, oui. Puis, c'est ça. Ben là, finalement, la semaine passée, j'ai essayé les anges pour oui, ça, oui, mais... Oui. Ben, je me suis fait avoir, si ça marche pas en tout. Non? Non, pas en tout. Si j'ai essayé ça, j'avais mon ange à moi, là, il s'appelait Mirabeau. Ça, c'était mon ange à moi, puis... Ben non, mais là, j'ai lu sa carte puis tout ça. Esti, moi, j'essaye de boire, sa carte, il est marqué bois. C'est comme, Chris, tu m'aides pas, là. Ouais. Fait que non, je me suis fait avoir, puis c'était de la cochonnerie, tu sais, les anges, esti, j'étais quand même assez épais de croire à ça, là. Soyons francs. Mais non, mais cette semaine, j'ai trouvé de quoi d'autre, par exemple. Mais ça marche, je l'ai essayé, là, à date, ça va super bien. C'est les pierres d'énergie que j'ai trouvé cette semaine. Ah oui, les pierres oui, d'énergie. Ouais. Puis j'ai un livre aussi que j'ai amené. Là. Donc, le livre, c'est écrit par Sue Lilly. Ça s'appelle Les pierres ou le pouvoir curatif des pierres au service de l'harmonie et de la connaissance de soi. Fait que je me sens vraiment plus, je me connais pas mal plus là, avec ça. C'est génial. Puis c'est ça, mais j'ai amené. Oui, puis j'ai amené une coupe d'affaires, puis là, je voulais un petit peu vous les faire tester, là. Fait que j'ai sorti premièrement ma pierre préférée. Ça, c'est ma pierre préférée, c'est le quartz rose, OK? Fait que ça, c'est cette pierre-là ici. J'ai même la pierre, puis tout, avec moi, là. Ça, je l'ai tout le temps dans les poches. Ça t'a coûté combien, cette cochonnerie? Ah, 2, 3 000. Ça donne du mana, ou...? Oui. C'est un 10 de plus de mana, si tu l'as dans le cul. Puis dans le fond, moi, je voulais juste faire le test parce que, tu sais, c'est une pierre d'énergie. Mais tu le sens. T'en tiens, tu le sens. Fait que moi, ce que je voulais, dans le fond, c'est que tu la tiennes. Fais juste la... Oui, okay. Comme ça. Moi, non, pas de même. Tiens-la comme... Tu mets tes doigts. Okay. Là, tu mets ton pouce. Comme ça. Ah, ça, je ça. Le sens, là. Ouais, sens, là, tu le tiens. Travail, comment... Qu'est-ce que... Dis-moi juste qu'est-ce que tu sens. Ben, je suis un peu bandé, là, pour vrai, là. Puis je me sens plus fort. Okay. Moi, j'aimerais ça que tu donnes ces pierres d'énergie-là à quelqu'un qui fait de la natation. Tu en mets plein dans les potes, hey, ça va tout te faire danger plus vite. Mais là Marco, regarde, je sais que tu prends pas ça au sérieux, là, mais au lieu de dire des niaiseries, là, parce que c'est pas ça que t'es supposé sentir, pas en tout. Ça me donne soif, en tout cas. Okay, cette pierre-là, Marco, là, si tu portais attention aux vibrations et à ton chakra... Tu saurais que ça te rend une personne émotionnelle, aimante et sensible. Mm-hmm. Bandé n'est pas là-dedans, là. OK? Madame Lily a pas écrit, ça va te faire bander, ça. Ben, c'est peut-être une forme de sensibilité, par exemple. Ben là, ouais. Fait que c'est ça. Ben, c'est ma préférée, celle-là. Dans le fond, je l'ai dans le livre ici, là. Je me suis mis un petit signet, puis tout. J'ai failli déplacer ton post-it tantôt. Oh! J'aurais été fourré en calice. Oui, ben c'est ça, parce que cette pierre-là, parce que, tu sais, c'est ça, il y a des chakras, ça, c'est bien important, des chakras, tu sais, les chakras, il y a comme il y a une image ici, là, c'est comme une statue, là, puis là, il y a des cercles, là. Chacun des cercles, c'est un des chakras. Puis là, toi, c'est celle-là là, que t'as, là, en ce moment, dans la main, c'est le chakra du cœur. Ça, c'est tout sur le cœur, ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment... Non, c'est important. Tu la déposer à la pierre? Ouais, redonne-moi là. Donne-moi ma pierre, Chris. C'est trop sensé. Ben oui. C'est ça. C'est drôle qu'il parte à pleurer fort. Tu sais, pleurer, il est une balloune qui sort de son nez. Ben oui. Fait que puis les pierres ont des personnalités aussi. Ça, c'est bien important. Là. Madame Lily, elle l'a dit, ça, dans le livre. Donc, la personnalité, c'est ça. C'est cette pierre-là,
gars est une personne compatissante, faisant preuve d'empathie et de soutien envers autrui. Mm. C'est bon pour l'expression des émotions, tout ça. Mm. Fait que ça, j'ai ça dans les proches, puis je braille toute la semaine. Fait que c'est ça, ça, c'est celle-là. Puis là, après ça, moi, je me suis dit, hey, on va pouvoir avoir du fun avec ça. Si je veux savoir c'est quoi vos pierres à vous autres. Fait que là, Card, je me suis dit, je pourrais savoir. Ouais. Mais ça, c'est juste avec ta date de naissance, okay, dans le fond. Let's go. Fait que toi, ta date de naissance, c'est quand? C'est 18 juillet 81. 18 juillet 81. OK. OK, ah, c'est l'heure. On retourne, là. Ça attend, descendant. Ah, mais t'as l'air jeune, ça. Ouais, okay, merci. Okay. Je traîne toujours une pierre de quartz. Ben oui. Ben oui. Là, t'es chanceux en plus parce que toi, c'est une belle, là. Toi, c'est le rubis, toi. Oh. Ouais, ouais, ouais. Chakra de cœur aussi, d'ailleurs. On est comme niés par nos chakras. C'est malade. Je le sentais. Celle-là, c'est ça, c'est la couleur rouge, évidemment. Dureté 9, ça. C'est, ouais, c'est ben nice. Oui. Nice. Puis, c'est ça, équilibré. C'est, les propriétés, c'est équilibré, positif, sûr. Ça, c'est... Ouais. C'est ça que ça... Ouais, c'est ça, ta pierre. Fait que, c'est bien intéressant. C'est ça. Y a-tu des mauvaises pierres? Genre, mettons, c'est ta pierre, puis ça dit « Désolé, c'est... » Ouais. Ben, la tourmaline. La tourmaline. Ça, c'est la pire. Ça. Ah ouais, ça fait quoi, ah ça? Ouais, ça fait chier dans les culottes. Je te dis, tu te mets ça dans les poches. Pour revenir à ma pierre, là, tu me donnes ça un rubis puis je repars avec. J'ai pas de rubis. J'ai pas de rubis, j'aurais aimé ça. Mais on donne des pierres. J'aurais aimé ça parce que je les ai empruntés à ma mère puis ça coûtait 10 000 un rubis. Oh, laisse faire. Même rare, les rubis. Ouais, ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que non, pas de ça. Mais là, aussi, le livre aussi, qu'est-ce qu'il nous disait? Puis là, c'est quelque chose que je voulais tester avec vous autres, mais il va falloir être ouvert, OK? Il va falloir être ouvert d'esprit, là. Il va falloir, puis pas niaiser surtout, parce que quand même, c'est important. Puis c'est, tu sais, en tout cas, moi plus tu me dis de pas niaiser, plus je me dis Chris. Jeff, c'est important pour moi, puis tu me scraperas pas mon moment. C'est-tu clair? OK. Fait que là, j'ai amené des roches pour tout le monde, OK? Là, vous avez chacun votre roche. Toi, ça va être une agate turritelle. Ça, c'est pour toi. Toi, Carl, tu vas avoir une anorthosite. Putain. Ça, ah oui, il y a un bel en Chris, ça, je l'aime bien. C'est nice, ils sont dans un petit sac, c'est un dealer qui a donné. Bon, ouais, moi, c'est ça. T'as des petites roches, les boys. T'allais voir ton dealer de roches. Ah oui. Ça, c'est de la cyanide. Ça, c'est pour toi, Marco. Puis moi, je vais avoir celle-là, OK? Fait que là, comment ça fonctionne? Là, je l'ai cassé pour vrai. Tu l'as cassé? Avec ton lighter? Non, avec un bouchon de bière. Je voulais faire comme si c'était du crack. Oh, calice. Ça l'a pété pour vrai. Non, mais c'est pas grave. C'est ma mère, ça. Ça dégage l'énergie, c'est correct. OK, fait que là, c'est comme... C'est le genre de la casser. Ben oui. Fait que là, c'est là où est-ce qu'il va falloir être ouvert d'esprit, là. Flore est ouvert d'esprit. Fait que je vous demande juste de comme fermer vos yeux. Il n'y a pas de tour ou rien. Là. Faites juste fermer vos yeux. Essayez de vous sentir. Ben non, mais ferme-en un, là. C'est deux. Fait que là, je veux que vous sentiez bien. Puis là, écoutez votre respiration. Écoutez-la lentement, OK? Là, vous écoutez votre respiration, puis tout ça. Puis là, on est dans un calme incroyable. Là, vous imaginez la plage. Okay? Là, on est sur la plage. Là, arrête de rire, Marco. On est sur la... Fait que là, on est sur la plage. Là, il y a les bruits de la mer qui arrivent. Là, il y a le vent qui caresse votre visage. Puis là, vous tenez votre pierre. Vous y parlez à votre pierre. Votre pierre est là pour vous autres. Vous êtes là pour elle. Là, vous vous regardez, là. Puis là, c'est ça. Puis là, on garde ça en silence comme ça, OK? On regarde ça en silence. Chut, ta gueule. C'est bon. Hein? Comment vous vous sentez? Je me dis qu'il devrait en avoir plus des instruments comme ça dans les tunes. Ben oui. Ouais. Ben ça, j'ai pogné ça d'une tune de Shaggy. Ouais, OK. J'entendais plus le frigidaire qui vient de partir que ton instrument de musique. C'est quoi ça? T'as fait ça? Ouais, c'est comme un gazou, man, mais tu fais ça. J'ai acheté ça chez Archambault, puis j'étais bien gêné. T'es allé là aujourd'hui pour acheter ça? Ouais, j'ai acheté un ocarina. En même temps, moi, je jouais à Zelda. C'est un ocarina. C'est ça, exact. Ben, on dirait que j'ai trouvé le bumerang. Oui, je vais jouer à Zelda avec ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je vois que ça a comme pas marché sur vous autres. Dernière fois que tu me dis de fermer mes yeux. En tout cas, regarde. Moi, j'y crois, puis ça me fait du bien, puis c'est ça l'important. Fait que c'est ça mes pierres. Je vois que vous prenez pas ça au sérieux. Fait que je vais les ranger. C'est de l'hostie de marde, tes pierres. Ramasse ça. Fait que c'est ça, c'est ce qui est... Ah oui, puis avant de vous laisser, là, j'ai quelque chose aussi. Je l'ai un peu cassé, mais c'est vrai que tu peux la fumer quelque part. Ben oui, ça se grind, ça, puis tout. Prends du baking soda, puis... J'ai acheté un autre petit quelque chose, puis là, encore là, regardez, j'ai été bien gêné
d'acheter ça. Pogner ça au Thaï Express. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une boîte, là, c'est 100 grammes d'amour, OK? À faire infuser dans votre quotidien. Okay? 100 grammes d'amour? Fait que là, je veux qu'à tour de rôle, vous pogniez un petit livret de même. Ça coûte combien, 100 grammes d'amour? Hein? 2 000, 3 000. Vous êtes mieux d'acheter du pot, les gens. Ouais, ouais, prenez-vous chacun un petit livre, là, puis vous pouvez ramener ça chez vous. Cet auteur-là, il a été coupé par son éditeur en tabarnak. Ouais, puis j'ai même pas, je sais pas c'est quoi. Fait que j'ai acheté ça parce que. Déclaration d'amour culte. Oui. OK, je pensais que c'était des chocolats ou de quoi de même. Des chocolats. Mais non, c'est bien mieux. Ça aurait été. Ouais, c'est bien mieux. Moi, je prends souvent le métro, fait que c'est clair qu'à chaque fois, je vais lire mon livre juste de même. Non, man, tu devrais donner ça aux sans-abri. On a coupé dans le budget, c'est le dernier 24 heures. Oh, man. Mais pourquoi tu devrais donner ça à des sans-abri? Genre, ils vont penser que c'est de la bouffe, quelque chose. Ils ouvrent ça. Ils vont s'en servir comme paye, pestis. Hey, man. Non, mais gardez-les, c'est vraiment des cadeaux. C'est pour vous autres. Parce que j'aime ça finir sur une bonne note. Là, des bonnes livres. C'est écrit les plus beaux romans d'amour. C'est insultant pour tous les auteurs qui ont écrit des vrais romans. Ça, c'est les plus beaux. Oui, j'ai trouvé un éditeur. Là. C'est très bon. Ouais, fait que c'est ce qui fait, c'est ce qui finit ma chronique. Moi, j'en ai un, ça dit compliment à voler au poète ou à emprunter à tout le monde. Ok. Moi, j'ai envie de parler avant de me mettre au lit, mais ce n'est pas parce que je suis seul et que c'est la Saint-Sylvestre. C'est pourquoi d'abord il est schizo, il est comme. C'est quoi la série? Moi j'ai pogné des coutumes d'amour à travers le monde, fait que je vais vous lire celle des îles Fidji, OK? Oui. Aux îles Fidji, pour convaincre un futur beau-père, il est de coutume de lui rapporter une dame baleine. Juste ça. Oh, il faut que tu l'aimes en tabarnak. Le goût de la fourrer, pas pire. Une belle preuve d'amour. Exact. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Bon, ben, merci pour tes hosties de niaiseries. Hey, c'est pas des niaiseries, hosties. Pas long chier à part de ça. All right. Fait que là, on va sur un peu à tout. Dans le fond, t'as commencé à rapper à quel âge? Mon Dieu, quand j'étais jeune, là, ça, je te dirais secondaire à base. Avant, je te dirais, les premiers disques d'IAM, en fait. Ah ouais? C'était au Québec, là, on rappait, on disait frère à la fin de nos frères. Ah ouais, pour vrai? On n'a pas vraiment d'exemple, je te dirais, à part le rap français, tu sais, Paris sous les bombes, NTM, puis IAM. Ouais. Puis après ça, ben, il y a eu les Sans Pression, South Squad. C'était pas mal au Québec, vraiment, qui ont commencé à rapper, vraiment. Slang, joual, et ainsi de suite. Fait qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire pareil. Ouais. De fil en aiguille. Ouais. Ah, frère s'est transformé en bro. Exact. C'est ça. Frère s'est transformé en bro, exact. T'as commencé le battle rap, t'as commencé ça plus vers quel âge? Je te dirais, il y a 28 peut-être, fin 20 ans. Ouais. Je te dirais exact, mais au début, ça faisait peut-être un an ou deux que les Word Up existaient. Okay. Puis c'est un de mes chums, simplement, il m'a dit « check ça », m'a envoyé la vidéo, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à insulter des gens. Non. Ça, on en a parlé pour tantôt, mais... personnelle. On en a parlé tantôt, mais ton premier Word Up avec Excel, qui était comme... Tabarnak. C'est une pièce d'anthologie. Tu l'as retenu à terre pour y chier dans la gueule. Là. Ça a été... moi, c'est... Écoute. C'est fucking ça. C'était Two Girls, One Cup, mais devant beaucoup de public. Là. C'était... Ouais, c'est bon lui gueule, qui tenait le cup vrai. En oh, crise. Oui, là. Ouais, ben... En fait, je m'attendais pas à ça, et c'est clairement lui non plus. Ben non, tabarnak. Ben non, il était prêt là avec sa ligne de salut bonjour. Mais ça, c'était bon. Mais c'est ça qui m'a fait capoter, en fait. C'est qu'il était pas prêt pas en tout. Non, ben là, il avait quand même gagné à Paris des années avant les concours de freestyle. Tu sais, fait que je pense que c'était quand même très... Ben exact. La qualité, là. Mais je pense qu'il s'est rendu compte qu'un freestyle contre un texte pré-écrit, tu sais, quand même. Non, quand même, soit Jacques Brel, là, je veux dire, ça marchera pas. C'est une affaire que j'aimerais ça voir. Jacques Brel en bâton. Je suis sûr qu'il en pèterait une coupe pareille. Là, la pointe contre Jacques Brel. Éric Lapointe, tu serais malade. Il y aurait des insides, il y aurait des personnels. Il y aurait du stock en tabarnak. Mais non, c'est quand même très cool. Puis après ça, il y a Chili Chill, les autres battles. Ouais, les battles à Paris contre Voidtech.
Ça ouais. reste le premier qui sort, pareil. Mettons sur YouTube, genre, je t'avais checké tes shit dans le fond. Puis quand tu marques ton nom, c'est le premier qui sort, là, Excel. Ouais, je pense que c'est celui qui a le plus de views. Non, non, je pense que celui qu'on devait être tech à Paris à cause du bassin de population, je pense. Ok, ouais. Ah, mais celui-là, quand il sort la banane, tu fais juste pitcher d'en face. Je me rappelle pas c'est quoi la ligne, puis je veux pas la scraper, là. Écoute, à un moment donné, je fumble un peu, tu sais. Puis ça fait juste dire. Ça finit par, je sais pas, je prends ta banane, puis je t'acquise dans le cul. Ouais, mais ça finit. Ouais, moi, toi, tu passes freestyle, moi, je te rentre ta banane dans le cul. Mais il y avait une petite phrase avec une rime en U juste avant que je me rappelle pas c'est quoi. Là, même moi, quand je le réécoute, tu sais, j'étais tellement sûr. Tu sais, je me revire, puis ça m'a carrément sorti. Tu sais, puis Vitek le savait, puis on a chillé ensemble. Après, on est allé prendre une bière, puis j'ai chillé 3-4 jours avec après, tu sais. Puis je disais, je m'aime, puis il m'a dit, je checkais tes battles, puis le personnage était tellement fort que je me disais, faut que je trouve un moyen de le sortir, parce que sinon, il va me ramasser. Puis juste avant le battle, j'avais une banane qui traînait sur le comptoir, je l'ai pognée, puis j'ai comme eu l'idée de la sucer pendant que tu faisais ton round. Parce qu'on ne le voit pas sur la caméra, mais je veux dire, il y a sus, il est plus, il y a sus. Puis à un moment donné, moi, je pars, puis là, je fais juste me revirer vers lui, puis je vois ça, puis écoute, ça m'a. Je suis parti à rire, tu sais, parce qu'il était tellement cave, puis je suis pas supposé rire. Ton personnage, je sais pas qu'il rit. Je suis supposé être penché. Fait que ça m'a comme déstabilisé un peu. C'était très cool comme expérience. J'ai vu le truc de la banane, mais moi, je savais pas qu'il faisait ça en même temps, tu sais. Ah ouais, on le voit pas, fait que tu sais, c'est comme. Je comprenais pas le flip de la banane. Non, non, exact, parce que la caméra t'sais. Est pas là, mais tout le long, tu sais. Le monde le fait juste le regarder, comme qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Là, je suis comme. Il sort une banane. C'est moi, vous êtes supposé écouter. Ah ouais. Parce qu'il y a un bon move pareil dans exact, la battle, non, c'était très t'sais. Bon, c'était fair play, là, je veux dire, il y a pas. Mais tu l'as bien ramené aussi, ben, ouais, là, juste après, là. C'est ça qui est rough aussi dans Word Up, c'est que tu essaies de faire des flips, tu essaies de freestyle, mais faut jamais que tu perdes le main point de ce que tu dis. Ouais. Parce que c'est toujours timé à virgule près, tu sais, à la consonne près, syllabe près. Le gars, ça, mettons, quand tu as une ligne de préparer, mettons, en disant ils vont m'attaquer là-dessus, puis là, finalement, tu dis, puis ça n'a pas de sens. C'est ça, exact. Puis tu sais, les battles, c'est souvent de même. Tu écris des lines que tu es comme, ça va être malade, puis finalement, ça passe dans le vide. Des fois, tu as des petites lines. Tu sais, comme quand on faisait les ARC à Paris, tu as une bonne joke. De gay, tu sais, tu fais ça à Paris, là, mon Dieu, le monde, tu capotes. C'est tandis qu'à Montréal, ils sont comme, tu sais, c'est-tu le shit le plus clever que t'as trouvé? Le monde crée pas pareil. C'est peut-être moins homophobe à Montréal. Ouais, c'est ça. J'ai jamais vu une manifestation contre l'homosexualité à Montréal. Ouais. À Paris, c'est très drôle. Paris, ça s'encule beaucoup d'un word up. Je t'encule, tu m'encules. Il y en a énormément. C'était cool à Paris? C'était très cool, même. Le monde trippe vraiment là-bas, tu sais, le monde... à Montréal, on sait, moi, je pense qu'on se garde une certaine distance, puis on catch que, je veux dire, c'est de l'entertainment, c'est un show, tu sais, c'est des personnages, on... Tandis qu'à Paris, le monde sont comme vraiment... c'est plus gros que nature, là, tu sais, c'est ton lit, je vais aller savoir tout de toi, tu sais, ils pensent qu'ici, on se promène, en make it rain du cash, des gros contrats, tu sais. Puis quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, je suis comme, ben, je travaille en finance, tu sais, non, pour vrai, tu sais. Genre, ben je sais pas, je sors de prison, j'élève des chats. Là, Chris, que je m'attendais pas à ça. On dirait que ça pogne plus quand tu dis ça. Là. C'est drôle. J'ai ma portée de chat, quand même. Mais le film 8 Mile, as-tu genre fait évoluer le monde du rap battle un peu? Un peu, mais c'est sur beat. Ouais. T'sais? Donc ça existait, ça faisait longtemps. Je pense que ça fait plus longtemps, peut-être même, que les Word Up a cappella, que ça existe. Mm-hmm. Mais le fait que c'est sans beat, ça te permet de pouvoir sortir un peu du loop qui est instauré par le beat. Fait que moi, j'aime mieux ça, mais c'est... Quand tu l'écoutes, tu veux pas, c'est un film, là, tu sais que c'est stagé, puis il y a tellement plein d'impondérables dans un battle, des choses qui se passent, une phrase, un gars dans la foule qui se pitch, qui a pas aimé ce que t'as dit, il y a plein de choses qui peuvent se passer, fait, c'est rare que ça se passe comme 8 Miles. Non, clairement. Je voyais ça comme le Karate Kid du rap. C'est clair, ça a donné le goût à plein de monde d'en faire, là, puis dans le making of d'8 Miles, c'est quand même drôle, parce que dans les figurants qui ont pris pour faire le film, il y avait beaucoup de personnes qui font des battles, puis de rappers. Puis dans le making of, t'as Eminem qui est là, puis il est comme n'importe qui, ramenez-vous. Puis il passe à peu près tout. Puis il y en a qui ont des estis de bonnes lignes, pareil. Mais tu sais, c'est Eminem qui est là. Fait que t'es comme Chris Ledo de quand même une estis de grosse carrière. Il est quand même
arrête, là. Bon, mais c'est quand même un nice move de faire genre, il y a plein de monde ici qui font du rap. Ben, rendez-vous. Let's go. On challenge. Wow, man. Il y en a un nouveau qui a sorti. Je sais pas c'est quoi le titre, mais je pense que ça a été produit aussi par par M&M. Ah, ouais? Oui, j'ai vu ça passer. Exact. C'est un peu genre. Mais ça se passe vraiment là dans le milieu du battle rap à Capella. Il y a Disaster qui ont pris, qui jouent là-dedans. Il y a plein de rappers, des KOT, des rappers anglophones qui sont c'est là. C'est des savages, man, là-bas. J'ai checké. Ah, ouais, vraiment. Mais ton sœur, fucking coche. Wow, ouais. Puis les wordplays sont écœurants. Puis c'est un autre niveau, là. Puis il y a beaucoup d'ailleurs, tu sais, des battlers du Québec, je pense, qui sont inspirés des KOTD, vraiment. C'est clair. Puis des battlers américains, tu sais. Les stop-poses, tous les patterns que tu peux faire, en fait. Ça revient tout du rap américain. C'est des. À KOTD, en plus, c'est genre des rounds. C'est quoi? C'est un verse? Ah non, mais c'est des affaires qui n'ont pas d'allure. Des fois, c'est des unlimited, puis les gars rappent pendant 8, mais 3 verses de 8 minutes. Tu parles de 25 minutes de texte à apprendre par cœur. C'est pas un battle, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Je sais pas combien ils se font payer pour faire ça. C'est 45 minutes, mais il n'y a pas de. C'est pas comme mettons les word up, il y a tout le temps comme une espèce de 3 minutes de. On a du linge à plugger, puis après ça. Puis 15 minutes de monde qui parle du baron après. Là, de comme... Ça m'a fait tout le temps rire. Tu sais, t'es comme après ça, on va aller voir ce que jeune Chili Chill en a à Calissé. C'est correct, là. Pourquoi c'est pas comme aux Olympiques? Chacun une pancarte, ça dit tout. Mais c'est vrai, tu sais. Puis les KODD, je pense, cette vibe. En tout cas, plus américain, tu vois pas comme je pense la décision des juges ou vraiment ce qu'en ont pensé. S'il est là, ils vont faire ça souvent sur une autre vidéo parce que c'est sûr qu'à la fin, tu t'en crisses un peu des commentaires des juges. Tu as vu ce que tu voulais voir. Prends ta décision personnellement. C'est quoi t'en as pensé? Savoir qu'est-ce que Chose Bin en pense. T'en crisses un peu. C'est ça. Mettons, on fait un combat. Il demande à tous les joueurs. Le premier rang, j'ai donné à lui pour ça. Je l'ai vu, le combat. C'est ça, j'étais là. Le sans pression qui a donné ses commentaires d'une loge qui était même pas là. Genre, on l'a filmé deux semaines après. Ah, je l'ai vu sur son téléphone. T'es très très bon. C'est que calice. Le son était pas là. C'est ça. Est-ce que je trouvais ça ridicule? Trouves-tu que ça fait une différence, commencer ou être le deuxième à passer? Ah, oui, bonne question. Ben, ça dépend, je pense, la façon que les battles sont structurés. OK. Parce que si tu veux, si t'as vraiment une line où tu t'es rendu compte de quelque chose, tu veux vraiment déstabiliser ton adversaire, ben, je pense que tu peux commencer. Puis vraiment plugger ton affaire puis en espérant vraiment le mêler. Okay. Mais moi, j'aime bien ça, passer en deuxième, en fait. T'sais, parce que la façon souvent que je pense les gars qui battle vont structurer leur verse, c'est qu'il va y avoir une partie que tu parles de ça, une partie que tu parles de ça, puis une partie, tu vas essayer de tout scinder ça en genre trois parts. Les jokes d'amère, mettons, puis les personal, ou quand tu veux exploiter quelque chose. Fait quand tu le fais commencer, ben après ça, tu peux spit un peu, arranger lequel. T'as pas d'ordre. Ça, c'est ton premier, deuxième, troisième verse, mais le troisième peut donner le premier verse, puis le deuxième peut donner le dernier, tout dépendamment de ce que le gars... Ça finit pas par donner mêlant un peu des fois, genre? Ouais, ben c'est, oui, ça devient mêlant, puis surtout des fois, quand tu veux, c'est du tac au tac, freestyler, tu peux dire une line, tu sais, mais faut pas que tu oublies ton texte après, parce que c'est ça des fois qui fuck. Parce que là, t'as de quoi d'appris par cœur, tu sais, vraiment, que tu sais quasiment les moves que tu vas faire, tu sais, les fois que j'ai rappé dans mon frigidaire, c'est sûr, quelqu'un qui passait chez nous, qui me voyait insulter mon fridge vraiment fâché, Moi, en humour, je fais un peu la même chose. Moi, je suis dans mon salon, puis souvent, il y en a qui me sortent pendant que je le fais. Sauf qu'en humour, je suis pas à côté, j'ai pas une structure de rime. Exact, tu peux sortir du cadre un peu. Tandis que moi, si je sors du cadre, il faut absolument que je me rappelle ça revient avec quoi. C'est ça. T'sais, parce que je me rappelle des lines que j'avais faites, je pense que c'est contre Chili Chill. Puis à un moment donné, je fais une line, puis j'avais comme, tu sais, ça sortait, j'avais pensé sur le fly, puis là, à un moment donné, le monde arrive, je suis comme, ah, c'est solide, hein, puis là, je suis comme, tabarnak, je m'en vais où avec ça? Puis là, c'est là que j'ai pensé à une bonne vieille blague de roue que j'ai plugée dessus. Je me rappelais que j'avais 2-3 lines que j'avais pas exploitées, puis ça a très bien passé. On le voit même pas, en fait, que je fais une balle, mais il y a un bout du texte, ça m'a amené que je suis comme, Chris, OK, je vais faire mes jokes de roue. Ça paraît pas le pire, sérieux, ça paraît vraiment. Exactement, ça paraît pas pantoute, mais je peux te dire qu'il y a vraiment 3 secondes ou moins dans ma tête, je suis comme, je suis tellement fier d'avoir plugué ça, le monde. Je suis comme,
Asti, je m'appelle cul, je m'en vais. Oh, ok, ok, surtout dans la parole. Yo! Ouais, c'est yo. Ça, j'ai regardé ta minute, là. Oh non. Ah, mais ça, c'est les pires affaires, tu sais. Puis souvent, souvent, les gars vont pas arrêter le timer tout de suite, tu sais. Puis des fois, t'es comme, ok, sors-moi de cette souffrance-là. Ah, ouais. Arrête ouais, ça, ouais, là. Ouais, c'est clair. Time the battle, tu sais. Ouais. T'as-tu déjà vu quelqu'un qui a redit deux fois la même ligne parce qu'il avait oublié qu'il l'avait déjà dit? Ben oui, ben oui. Puis plein d'affaires de même qui arrivent, man. Deux fois le même gag ou le gars qui se répète ou. Hey man, moi, j'ai déjà. À un moment donné, je suis venu pour commencer un verse avec un ancien battle d'un ancien. Oh, battle, oh, qui avait passé, je pense, c'était comme le deuxième verse contre Excel, puis j'étais contre Chili, tu sais. Puis je me réveille, puis je viens commencer. Je suis comme, voyons, qu'est-ce que je fais là? Là, je repars ma line, mais un peu plus, puis je suis le verse au complet. Là. Ben, c'est parce qu'en plus, vu que c'est rythmé, t'as pas le choix quasiment, à part si tu le reprends, genre d'y aller jusqu'au bout. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, oublie pas, même, là, t'as genre 1000 personnes, t'en regardes les bras croisés, si c'est pas de beat, fais-moi rire en rappant, tu sais. T'es comme, la pression est là. Surtout, moi, je trouve ça mieux. J'aime mieux rapper dans un cypher, en fait, qu'être sur un main stage avec tout le monde qui te regarde. Ouais, j'imagine. J'aime plus. Sinon, man, t'as plein d'espace à couvrir. Tu marches, tu te promènes. J'aime plus être un peu plus figé, groundé, puis rapper devant le gars, comme promener de gauche à droite. Puis aussi, la foule, souvent, elle feed sur l'énergie qu'on y donne. Fait que quand il y a de l'animosité, justement, sur le sol, ben, c'est pas de la vraie, là. Non. Mais tu sais, quand vous vous insultez et tout ça, la foule, elle, comment elle réagit à ça? Elle doit être agressive, pas pire, elle avec ouais, des ouais, fois. Ben oui, man. Tu sais, puis moi, là, ça. Tu sais, le nombre de fois, man, que quelqu'un dans la foule, quand on va être zizi, ou tu sais, que c'est vrai, ça, tu sais, mais ça, c'est correct. Ça veut dire que tu fais bien ta job en même temps. C'est là, sûr, mais en même temps, toi, t'es super concentré. Ah, ouais, t'as juste envie de t'en venir, de comme, ok, oui, mais ta gueule. Tu veux quelqu'un comme un public de lutte qui essaye de participer. Ah, ouais, zizi, c'est pas vrai, ça. Tu l'as pas fourré, sa mère, c'est des gars. Je le sais, là. C'est, mais ça rime, mais ça rime, c'est ça. Fait que je me permets de le dire. C'est un procédé humoristique, calice. Tabarnak, c'est drôle. Ça, t'as dit que t'avais fait Word Up contre Zoufès. Ouais, on Zoufès, avant d'être, j'en ai fait un contre. God, ça, c'est drôle. Ah ouais, ça, c'était assez comique. C'était contre Mehdi, hein? Ouais, mais c'était un de mes chums qui m'avait. Jean-Michel Manlo, le petit plug au Dumb D. Le Dumby Cumber. Exact. Un petit shout-out au Go Bar, mais m'appelle, tu sais, puis on aurait une plug pour le Zoufest, puis on aimerait ça faire un genre d'épisode de gars qui battle contre humoriste, tu sais. Puis ça serait contre Mehdi, tu sais. Je suis comme, OK, cool, tu sais, mais. Puis là, je disais, Mehdi, as-tu vu, tu sais, c'est quoi les battles, tu sais? Il dit, je pense qu'il sait c'est quoi, là. Je pense qu'il sait c'est quoi. Je suis comme, OK, tu sais, puis moi, en même temps, mais j'essayais de l'écrire, tu sais. Il disait, t'as-tu vu c'est quoi, tu sais? Puis il devait être occupé ou whatever. Il me répondait pas vraiment. Puis quand il me répondait, c'était pas vraiment, oui, j'ai vu tes battles, tu sais. C'était plus comme, ouais, je sais c'est quoi, là, tu sais. Puis là, moi, ça me tentait plus de dire, comme, prépare-toi, tu sais. Ouais. Au moins, regarde c'est quoi, tu sais. Ouais. Quand on est arrivé sur le stage, il a fait un numéro qui fait le Shaggy, le numéro des rappers. Lui, il est en rap ou il est en roast? Non, pas en tout, il fait. Okay. Exactement. Ah, ouais. C'est ça. Fait, je pense que lui, il pensait peut-être que c'était des numéros, c'était peut-être un roast, whatever. Okay. Mais il disait que ça c'était quoi, mais. Oh mais non, visiblement pas. Ouais, c'est parce que le mix roast versus rap, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que, mettons, parce que là, à Word Up, il y a le bateau du Zoufest, qu'est-ce qu'ils font? C'est, mettons, les humoristes qui jouent le jeu de faire un bateau. C'est cool aussi. Ça, c'est bien fait. Mais nous autres, c'était comme sur un stage de même. Puis c'est comme la première fois un peu ça se faisait. Puis tu sais, ça, c'est le fun quand que les humoristes rentrent dans le rôle des battleurs et qu'ils font rimer leur truc. Là, c'était plus un gars qui fait un numéro nowhere de stand-up versus un gars qui le ramasse. C'est juste comme, tu sais, c'est pas fluide. Je pense que je commence, je me dis Boussaid Down, tu parles d'un nom pareil. Tu peux bien niaiser les rappers, t'as le nom d'un dude qui travaille dans un centre d'appel. Tu sais, je pense qu'il va regarder comme, ok, tu t'en vas là. Puis je suis comme, oh oui, man, puis ça, c'est la plus soft de tout ce que j'ai. Oh shit, il t'a dit carrément, ah, tu t'en vas là. Non, mais tu sais, mais dans son ok. On fait une minute un peu. Ah, mais tu sais, puis il avait pas l'air super content, en fait. Puis à la fin, il y a vraiment du monde dans la foule, tu sais, qui était venu voir comme, t'as vraiment pas été gentil. Ben là, mais là, Chris, c'est ça le but du jeu. Tu sais, si tu m'aurais dit de raconter des comptines ou whatever, je serais bien au jeu. Tu me demandes de
faire ce que je fais d'habitude. Ouais, là, fait ça. Que j'ai insulté des gens. Moi, je vois mon frère qui raconte des consignes. Alors, bonsoir les tout petits. Ça serait absurde dans la crise comme vidéo, mon gars. OK, yo. Ah ouais, tu serais comme Ice Cube qui fait des films pour enfants. Ah, are we there yet? Ah, tabarnak. C'est vrai que c'est non, mais c'était quand même cool à base. Puis là que j'ai vu Alex Douville, d'ailleurs. Ouais, c'est là qu'ils sont rentrés. Exact, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois. Fait que jamais je faisais mes lines. J'ai comme, ah, Chris, OK, Val, t'es prête? Je suis comme, ouais. En tout cas, ça a été un beau petit mal. J'adore ça, ces malaises-là. Ouais. Moi, là, plus c'est malaisant, plus j'aime ça. Mais c'est drôle, parce que lui faisait un numéro d'humour, tu sais. Genre, mais y'a-tu passé en premier, tu te rappelles-tu? Il a passé en premier. Ah, tabarnak. Ouais. Fait qu'il passe en premier, il a le sourire d'en face. Ah ouais, puis le monde riait dans la foule, puis tout d'un coup, il y a eu un froid. Personne riait. Tout le monde était juste comme, mais enlevez-le sur le stage. Surtout si vous êtes les premiers à passer, les autres, ils pensent que le standard. Oh, tabarnak. Oh, my God. Tabarnak. Ah, ça aurait été quasiment plus violent en même temps que tu passes en premier. Ouais. Fait que lui, il faut qu'il réponde à ça. Ah, mais là, si ça a arrêté, lui, il a arrêté. Oh, il a eu leur cœur. Ah, ben exact. Ouais, mais il y a moyen de faire au moins un petit callback humoristique là-dessus après. T'sais, en Rose, ben ouais, t'as pas vu que t'es pas. Non, mais vu que t'as pas la pression d'être dans le beat, ouais. De faire rimer. Ouais, ouais. T'sais, tu peux puncher sur un peu n'importe quoi qu'il a dit, puis après ça, rentrer dans ton. Mais si tu rentres dans un texte déjà préparé, exemple. Ça marche pas, là. Ouais. Tu le roses, puis que tu l'attaques, lui, là. Fais pas genre. Ah ouais, les rappers, non. Non, on parle à lui. Je sais, c'est quoi du rap? J'ai un numéro là-dessus, m'a l'utilisé. Ah, oh, man. Ouais, je danse pendant c'est une ça, minute. C'est j'ai mis de Shaggy, là, ça va être bon, ça. Que tu es un petit gars avec un couteau, là. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, mais le pire, c'est que son beat est quand même bon, mais ouais, c'est bon, pas dans un roast. Ben, non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense. C'est lui, tu sais, puis en plus, c'était pas quelque chose de gros, c'était un petit stage sur le site. Il y a peut-être, je sais pas, une centaine, 150 personnes qui étaient là, tu sais, mais. Mais c'est vraiment. Il n'y avait pas vu les Word Up. Non, c'est ça. Puis je pense pas que ça ait tenté de travailler non plus. Ah, tu sais. Puis je me rappelle dans mes conversations, tu sais, j'étais comme, mais as-tu vu c'est quoi qu'on fait? Tu sais, jusqu'où tu veux j'aille? Tu sais, parce que si c'est comme carte blanche, je vais t'insulter beaucoup. Ouais. moi, j'ai vu tes battles, puis j'étais comme Chris, le dos, il est fort, je veux qu'il me ramasse. Je veux qu'il vienne me retourner dans le track, venir me péter. Violemment. Moi, je suis un roast. Mais je suis quand même dans le battle aussi, mais là, je vais juste m'humilier. Là. C'est ça qui va être drôle. Humilie-toi. Ça va être très bon. Ah, ben, c'est une bonne idée, par exemple. Puis il y avait aussi les affaires avec Jean-Charles au 91.9 aussi. Oui. Ouais, c'est vrai, tu nous parlais de ça. Ça, c'était très cool, mais ça, c'était à l'inverse. Tu sais, il fallait que je niaise. Tu sais, il voulait vraiment que je m'inspire, tu sais, de la semaine sportive qui s'est passée. Puis après ça, j'écrivais là-dessus. Mais là, j'avais toujours des genre des Pierre puis des Michel, tu là, à la fin de la journée. Il était comme, t'as niaisé Eugénie Bouchard, une championne de. Tu sais, ta gueule. Son millionnaire, il s'en calisse. Il écoute pas le que je sais quoi j'avais dit, man. Tu sais, Eugénie Bouchard, elle venait de se faire raser les cheveux sur le côté. Tu sais, j'ai dit, je disais, Eugénie Bouchard, what the fuck, championne, tu devrais travailler plus fort, mais là, tu sors d'un club. Puis c'est quoi ta coupe de cheveux? T'as quasiment l'air d'un homme, là. Le problème, c'est que c'était en mode quand t'étais encore bonne. Oh my god! C'était une demi-heure? Non, c'était toujours une minute, tu sais. Puis moi, c'était de voir Jean-Charles, tu sais, qui tripait au bout, qui était crampé dans le studio. Clair, mais là, j'arrivais chez nous, puis le monde, il cachait tellement pas le secondaire. C'était comme, mais il se permet quoi, lui, de venir niaiser tout le monde, tu sais. Il est méchant, le rapper. Entre les gens Tremblay, puis ils vont penneau. Puis Guy Lafleur qui te juge. Il m'appelle le rapper. C'était très drôle, man. C'était cool. Juste qu'à un moment donné, sans faire un par semaine, il se passait pas un moment donné, puis c'était dans le temps que le Canadien était vraiment en poche, tu sais, puis vraiment très, très poche, médiocre, fait que j'avais des sujets, tu sais, à appel. Ouais. Un moment donné, je veux dire, t'es comme, OK, j'ai passé tout le monde dans l'équipe, tu sais, j'étais en train de parler du gars qui passe la Zamboni puis qui fait roteux au centre. Je sais plus quoi dire, tu sais. Puis même si tu parles des Alouettes, je veux dire, personne connaît le fucking line-up des Alouettes, tu sais. Mais c'est clair, c'est tough, là, tu sais, c'est un estime mandat pareil d'écrire de quoi à chaque semaine tout le temps. Tu sais, tu finis de l'écrire, t'es super content, puis là, bam, t'en as un autre. Souvent, il se passait pas le jeudi, genre à la game du CH. Fait que là, fallait que
change de quoi parce que Piqué a fait de quoi. Mais là, c'est vendredi, je passe. Puis là, Jean-Charles m'a amené, j'ai dit, là, je peux-tu arrêter de les apprendre par cœur, tu sais, parce que c'était toujours live à radio. Ouais. Quand la lumière est rouge, elle allume, mon gars, là, t'es en onde, là, tu sais, fais une petite vidéo de présentation, t'es comme, OK, yo, puis là, tu pars. Mais, tu sais, à un moment donné, je suis comme, je peux-tu avoir mon texte, là, parce que là, Chris me demande d'apprendre une minute par cœur, même sur le fly, en genre 6 heures, tu sais. Non, c'est fait que là, maintenant, on les préenregistrait le matin, puis après ça, on les faisait jouer. Ouais, ça, c'est le meilleur mot à faire. J'aimais mieux faire ça, Ouais, c'est clair, si tu te fous, tu peux le recommencer, whatever. Puis de toute façon, c'était quoi l'intérêt aussi de t'avoir là, live, tu sais... Le... À part me mettre 100 fois plus de pression. Non, c'est ça. Là, y a du monde qui écoute la radio en live, des vidéos. Mais c'est sûr que si Guy Lafleur te dit yo en te saluant, c'est que bah, c'est pas sa première le rappeur yo yo. Hey, c'est le rappeur yo yo yo. Je suis comme oh my god. T'as barbe. Tu sais que ça, c'est le démon. J'ai tellement dit ça en fumant sa clope. Deux annonces de Airfax. Mais ça, c'est insultant à Chris des vieux qui disent ça, man. Des yo-yo-yo. Ils savent pas, là. C'est dans un sens. Ils essaient de s'intégrer, puis ils comme, ouais. Ils pensent que. Yo-yo chill! Pas tout le temps. Des fois, quand j'étais jeune, en tout cas, je l'ai déjà senti une fois, mettons, un grand-parent qui fait comme, hey, yo, man. J'étais comme. C'était pas un yo man de comme hey ça a l'air nice ce que tu fais, c'était plus comme yo ça, man on va sûrement avoir l'air cave de même qu'on va être vieux à un moment donné aussi, là, man, ça va être genre Billy Pop on va faire ouais c'est ça Billy Pop que les jeunes ces internets en train de chapper votre call-out sur Facebook sur quoi c'est ça ça me fait penser que genre j'avais vu vous l'avez peut-être vu aussi là, c'était à Caméra 88 dans le fond c'est sorti sur YouTube là, genre c'est comme une guerre qu'il y avait eu puis là c'est comme il appelait ça les yo contre les poêles puis je me disais c'est clairement ça, des c'est... adultes qui ont juste trouvé les surnoms des gangs ah c'est poêles les poêles c'est genre des punks les poêles c'est les punks il y avait des patchs Sex Pistols puis le monde était comme c'est des poêles on dirait un nom de gang dans Radio Enfer d'ailleurs c'est dans l'intro du show on a fait notre tune d'intro on a mis des bouts de cette style d'affaire là c'est barre à clous dans la cause ils ont trouvé quoi une barre à clous c'est tout le monde rit c'est vrai de ça qui joue en plus l'intro de notre show puis après ça c'est comme genre la tête dans tabarnak c'est vrai dans Chris. Sinon, je sais qu'il y a des crews, mettons, vous avez des crews en battle rap. Y a-tu du bad blood entre les crews, genre? Pas vraiment, tu sais. C'est sûr que, puis on fait ça un peu plus, je pense, pour le show. C'est quand le rapper vient, mais son crew, là, son groupe de rap, ou appelez ça comme vous voulez, viennent avec. Son équipe de rap. Ah oui, comme les deux jeunes, là. Moi, j'ai eu ma petite équipe de rap. C'était cœur. C'est drôle. Exact. Fait que tu viens avec ton équipe de rap. C'est juste, tu sais, je pense, pour le monde s'en regarde ou whatever, mais je pense que c'est plus pour crier, mettre de l'ambiance. Okay, il n'y a pas vraiment. Mais tu sais, il y a eu des battles qui avaient vraiment de l'animosité entre les rappers. Entre que les deux gars, ça m'aime vraiment pas. Mais tu sais, je pense, de là à faire des gars de gang, je pense pas. Non. C'était-tu. Qui déjà? Il me semble qu'il y a Jeune Chili Chili, c'était fait entarter, ça a fait de quoi? Exactement. C'est quoi cette histoire-là déjà? Ça a fait entarter pendant un battle contre Simi Sime, si je me trompe pas. Puis il y a quelqu'un qui est sorti du crowd, puis qui avait crissement étampé. Tu sais, c'était pas une tarte d'en face, là. C'était plus une shot cachée derrière une tarte d'en face. Rentrait la tarte. Mais il avait pas l'air content en plus. Tu sais, tu le vois comme ça. Il était juste comme dude, man. Il m'a shoté d'en face. Le gars, ça a fait sortir solide, tu sais. Puis... Mais. C'est le but n'est pas de ça non plus. Non, on fait ça justement, tu sais, pour montrer au monde que se faire insulter, ça fait pas mal plus mal qu'une shot d'en face. Le but, c'est plus, c'est à la place d'aller te battre, va lire un livre. Mais tu as vu des fois qu'il y a eu des fights après?
Ouais, ben, il y en a des fois, mais c'est des fights, on s'entend, ouais. Là, des bousculades. Des bousculades de poète. C'est méprisant, là. Pour le dos de Talisman, il était fâché, elle va te bousculer. Ouais, non, là, c'est ça. C'est ça, non, c'est vraiment des chameuries, là. Genre un rôle, tout le monde qui pousse, battez-vous. Ça a commencé par « Hey, bouscule-moi pas! » C'est ça, exact. Ouais, mais il n'y a jamais eu de gros incidents, je pense, ou de violentes batailles, là, je pense. Ouais, il y en a pas. C'est sûr, tu sais, veut pas, la tension est là à son comble, les gars, ouais, ça insulte ouais, aussi. Des ouais, fois, il y a vraiment de l'animosité, tu sais, puis tout le monde se pogne. Mais, tu sais, ça se calme assez vite. Là. Ouais. Bon. Mais tu m'avais parlé d'une affaire qui est arrivée, là. C'était quoi? Le gars avec des trucs. Au Saguenay, ouais. Ben, ouais, c'était. Ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais. Je pense, je sais pas si c'est à la fin que j'avais. Après que j'avais arrêté de battle ou whatever, mais j'avais vu ça. Puis c'était le gars, il avait fait des recherches. Il s'avait fait un faux profil Facebook. Il s'avait fait un faux compte d'une fille qui avait, cruisé le rapper. Il l'avait invité à une place. Le gars était allé. Puis là, pendant le battle, tu sais, la blonde de son adversaire est là avec sa mère dans le crowd. Puis il dit, tu te rappelles-tu de telle fille? Tu sais, ben c'était moi, tu sais, qui t'a donné rendez-vous à telle place. Puis il dit, bête. Puis là, lui, il est comme non, naturellement. Ah, ouais. Il fait comme si c'est pas vrai, mais il sait clairement que c'est clairement, vrai. C'est comme... Et sa copine est là, tu sais, puis elle, espère juste une blague. Puis le gars, il dit, mais by the way, voici nos conversations. MSN, tu sais, les copies de nos conversations MSN. Il sort les feuilles, puis il les met dans le crowd. Naturellement, le gars est détruit. Je pense même que sa blonde vient gifler même pendant le battle. Oh, ça fait le plus gros. Mais là, j'étais comme Chris. Là. Les gars s'en vont où? Là, c'est rendu que tu tends des pierres. C'est Jerry Springer. Ben, c'est ça, mais tu sais, tu tends des pierres. Tu sais, je veux dire, moi aussi, tant qu'à y être, là, je vais me pogner un gars, je vais le suivre pendant 2 ans. Ah, ouais. Ben, tu sais, tendre des pièges. Tu sais, va dire, ton dernier T4 là, de Revenu Canada. Mais il y a une différence entre détruire quelqu'un verbalement puis en étant vraiment habile puis juste comme le fuck up puis faire genre tu voulais tromper ta blonde devant la mère de la blonde puis la fille là, c'est comme ok, t'as voulu détruire. C'est ça que je te disais, tu sais, tantôt. La ligne est mince, c'est dire à quelqu'un qui est gros, s'il est gros, je veux dire. Ça peut être vrai, mais c'est pas nécessairement drôle. C'est dire qu'il a acheté 2 livres de Marie-Lou pour manger 6 fois par jour, ça, c'est drôle. Ouais. Tu comprends? La ligne, tu sais... La ligne est mince, tu sais, en faire un bon gag. La plupart, tu sais, si le gars est dodu, il se fait faire une blague de dodu, je veux dire, c'est pas le premier. C'est pas la première fois que ça fait dire. Qu'elle soit bonne. Si le gars est moindrement assumé, mais il va sûrement trouver le rôle lui aussi. Exact. Il est conscient. Mais en même temps, le gars, il aurait... Tu sais, le temps qu'il a mis Asti à tout faire son Asti gimmick, mon gars, il aurait pu... Il aurait pu prendre son temps pour écrire comme du monde, Asti. Là, il aurait pu avoir une vraie job. Ben, vous êtes payé pour les Word Up. Mais non. OK. Non, pas c'est un pourcentage des billets. Ça dépend, man. Tu sais, je pense que le battle contre Chill Chill, on s'est fait payer, genre, peut-être... 750, peut-être 500. OK, faut pas 500 pour Chichi, mais je pense que c'était l'autre 750. Mais tu sais, je veux dire, c'est le main stage Club Soda. Je veux dire, c'est 40 places de billets, il y a 1200 personnes dans le crowd. Mais vous êtes combien à payer à ce prix-là? Ben, je pense qu'on était juste les main events. Après ça, tu tombes à je sais pas combien, je me rappelle plus dans le temps, je sais pas comment les gars géraient la petite caisse. Mais à un moment donné, c'est beaucoup de risques pour peu d'argent, man. Puis en plus, je veux dire, on s'entend, là, je veux dire, tu finis de faire ça, la pression tombe, tu t'en vas au bar, tu reviens chez vous, tu as 50$, puis une poche de du screening. Bar, tu sors, je veux dire. C'est clair. Fais parce que t'aimes ça. Ouais. Tu sais, Daniel Lemire a déjà dit, tu sors un hit aux États-Unis, tu vas vivre là-dessus toute ta vie, au Québec aussi, mais t'es mieux de mourir dans la même semaine. c'est à peu près ça, tu sais. Si tu le fais, tu le fais parce que t'aimes ça, tu le fais pas pour le cash, ça va. Non,
Non, c'est clair. As-tu déjà tapé en studio aussi? Ouais. Avec, ben, j'ai essayé de trouver des trucs, mais j'ai ouais, rien mais c'est avec Wild MCs dans le temps, mon chum confus. Après ça, il y a eu Bootleg Record avec Bitchy, Semi Bruce. Il y avait Farfadet, Max. On était une bonne gang là-dessus. Fait que, on a eu des clips. Tout. Moi, j'ai jamais sorti l'album vraiment. OK. Je veux dire, je fais partie de ceux qui, je veux dire, je travaillais, j'étais à l'école, j'étudiais, je faisais mes trucs, puis j'ai toujours fait ça parce que j'aimais ça et non parce que je voulais devenir. Ouais, c'est pas une carrière le next dedans, big thing, là, non, exact. Fait que, non, mais c'est drôle, puis justement avec les battles, je m'attendais pas à avoir des millions de views non plus. Ouais, man, c'est fou. Ah ouais, moi, quand j'étais jeune, t'es un de mes préférés, ben oui, je vais te le mentionner, là, sincèrement, là, ouais. Je me rappelle avoir vu Excel, c'était le compte Excel, c'est le premier que j'ai vu quand il est sorti. Pas longtemps après qu'il soit sorti, là, puis je me rappelle, on était une gang de chums qui checkaient ça, on était comme dude, tabarnak. Genre, moi, j'avais jamais vu une renclée être donnée de même, là. Tant qu'à, tu sais, puis je vais prêcher pour ma paroisse, mais ça reste un gros viol. Ah, man, c'est genre. Except, arrête le rap, il va t'occuper de ton fils. Premièrement, t'es à chier, je pense que j'ai un meilleur flou quand je pisse. Ouais. En plus de rap, il y a comme une pute, c'est en mini-jupe que tu te sens belle. Tu collectionnes les queues comme les urines noires, tu sens belle. Ah, c'était mal. Est-ce que je vis un moment en ce moment? Ah oui. Est-ce que je vis un moment? Ouais. Genre, j'avais jamais vraiment écouté de Word Up. Puis hier, dans le fond, j'ai comme commencé à regarder des vidéos. Puis ma blonde, dans le sud du vent, j'étais comme dans la cuisine, genre en train de checker mes enfants. Puis là, je faisais juste réfort, je l'ai réveillé. Si, mais c'était bon, Ah ouais, puis moi, je me rappelle celui que j'attendais le plus, c'est quand t'es allé en France, justement, contre Wojtek. Parce que je regardais un peu les Rap Contender. Ouais. C'est drôle parce que toi, t'étais mon préféré au Québec. Puis Wojtek était mon préféré en France. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme. Yo, OK, les deux en même temps, un contre l'autre. C'était fort, man. Puis Wojtek, pour vrai, il est imprenable à base pour une raison. C'est tellement théâtral, son affaire. Il y a un style fucked up. Il y a un style fucked up. C'est weird, right? C'est ça. Tu sais, avant, c'est vrai, ça fait comme... C'est le même genre de pièce de théâtre. Les chants grégoriens en background. Ah non, mais. Puis, il est vraiment drôle à regarder, tu sais. Puis autant que. Puis il sait très bien ce qui pogne en France, tu sais. Les jokes de gay, l'ultra vulgaire. Ouais. Ça pogne au bout, là. T'sais. Ouais, puis ses textes, c'est tout le temps comme vraiment bien construit. Exact. Mais il y a une bonne plume, en fait. Là, ça doit être quand même stressant de se dire, OK, je vais aller me battre contre ce gars-là. Écoute, quand j'étais dans l'avion, tu sais, je montais, puis j'étais avec Denis, tu sais, puis... Ouais. Puis Denis m'avait dit, il dit, fais-toi pas d'illusions, là, tu sais, il dit, c'est le crowd favorite, il dit, puis les chances que tu gagnes, même si tu fais le meilleur verse de ta vie, sont très minces. Au début, tu le vois pas sur la caméra, tu sais, mais fais juste des voix, tac, puis la foule gueule pendant 15 minutes, coupe la caméra, là, tu sais. Puis là, moi, ça, je suis comme, OK, salut, Alex. Salut, gang! Alexandre! Salut! Hey, le feeling, par exemple, ça va être de la merde, par exemple, quand tu le vois qu'il y a de la foule comme le clown de même. Tu le sais, man, en allant là-bas. Là, OK. Puis surtout, tu sais, je t'ai vu comme un très fort, tu sais, au Québec. Fait que je m'en vais là-bas contre leur très fort. Je pense que l'orgueil français qui est comme, c'est pas vrai que notre top va se faire battre. Là. Ouais, t'es comme Rocky dans Rocky IV en Russie. À un moment donné, il me parle en polonais, tu sais, puis il dit, traduction, t'es un bouffon. Puis là, la foule, la capote, tu sais. Puis moi, je suis comme, dude, c'est quasiment cute ce que tu viens de me dire. Puis la foule, elle rit, mon gars, comme si c'était le meilleur gag ever. Ça a encore un malaise. T'es-tu comme, ah, Chris, il est méchant? Non, c'est ça. Puis tout le monde pleure, sont comme quand King Jong-un est mort. Tout le monde est comme, il a dit qu'elle allait l'enculer. C'est ça. Ah non, mais c'est très bon, ça. Ah, c'est cool. Oh, mais t'as dit pogné de quoi, Chris, que ton vidéo a pogné 1,4 million de views, man? Wojtek, tu sais, je veux dire, le monde l'aime, le suit bien gros, moi aussi. Fait que je pense que les deux, man, ça pouvait juste faire. Mais c'était un vrai bon battle. C'est un bon battle, mais tu l'as humilié. C'est one way. Wojtek, c'était une bonne guerre. Là, les deux styles fit bien ensemble. Quand tu check les comments, puis tout le monde, tu sais, le monde sont vraiment comme. Il y en a, je suis français, je le donne à Card, ou moi, je suis québécois, je le donne à Wojtek. C'est vraiment les deux, man. C'est vraiment très dur à départager. Je l'ai pas vu, en fait, celui-là. C'est qui a gagné, finalement? C'est Wojtek. Wojtek qui gagne. Puis les juges sont comme. C'était très bon, mon combat.
on comprend pas vraiment ce qu'il dit, le Québécois. Fuck, c'est à Paris? Ouais. C'est pour ça. OK. Ouais, c'est ça, ouais, c'est à Paris. Mais t'as quand même un peu adapté tes choix de mots. Tu comprends pas quand je parle, une chance pédale, tu seras en train de pleurer. Ouais. Puis je voulais pas changer, man. Tu sais, je faisais plein de références françaises, mais tu sais, des fois, t'envoies, man, ils vont vraiment parler, se donner un accent, puis fuck off. Non. Mais ça, j'avais trouvé cool, d'ailleurs. T'as pas changé ton accent. Non, mais avait... non, je suis arrivé, je fais mon affaire, je reste comme ça. Puis deux, je sais pas. Là, mais c'est quasiment plus. C'est quasiment plus en terrain neutre, tu le ferais au Québec, puis que les juges pourraient comprendre. Mais en même temps, là, t'aurais mettons, l'avantage de mettre. Puis là, j'aurais écrit mon verse totalement différent. J'aurais pas fait des références françaises, j'aurais fait des références que lui, il peut pas comprendre du Québec. C'est ça. Parce que là, j'allais chez eux, puis le crowd, c'est un crowd français. Fait que t'as pas le choix de faire des choses qu'eux vont relate. Exact. Justement, il fait des références lui-même aussi, des trucs, puis que t'étais comme. C'est ouais, quoi, ben, ça? Des fois, ben, moi, c'est comme j'ai aucune idée, c'est quoi que tu viens de me dire, man. Ça a l'air drôle. Ben, je piche que dalle. Ah ouais, c'est ça, je piche que dalle. De quel bateau tu serais le plus fier, mettons? Je te dirais Excel, à cause c'est le premier. Ouais. Mais Excel, c'était fort. C'est le premier, c'est celui que je me suis appliqué le plus. Ouais. C'est le premier que je le faisais. Dans ma tête, c'était le seul que j'allais faire aussi. T'sais, les autres, c'est qu'on s'est décidé super vite, puis t'avais pas grand temps pour écrire. Ça se fait, puis j'avais moins de temps libre aussi, t'sais, fait que moins de temps pour m'appliquer. Excel, j'étais prête. Là. J'étais prête. Comme quand on me l'a dit, j'ai dit, OK, c'est beau. Faut dire que Excel avait un historique aussi. Parce qu'il avait été au Québec, on savait tout ce que les affaires avaient fait dans le temps, incomprises, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, j'avais vraiment beaucoup de matériel, tu sais. Mais t'as-tu pas eu de quoi en crise quand que t'as. Si c'est en plus la première fois que tu battle rap, puis que la première ligne que tu fais, le monde se dit bah! Mais aussitôt que j'ai fait ma première ligne, comment on crie, je dis OK, tu sais, je veux dire, je pense que je suis dans ça. Je vais rester dans ce ton-là, puis ça va être ça, tu sais. Ouais, c'est clair. J'avoue que ça va être difficile, en plus, vu que, tu sais, les premières fois de comprendre le personnage, il faut que t'ailles, là. Je sais pas ce que je veux dire. Exact. Mais c'est à cause, au début, moi, j'ai checké, puis le monde n'assumait pas leur joke. Tu sais, son nom était vraiment pas bon. Tu sais, en regardant en terre, tu sais, je fais comme deux. Tu sais, je veux dire, dis d'en face, les roches, là. Ton dos autour, si c'est un show, là, tu sais. C'est comme deux lutteurs, là, qui se donnent des petites tapes dans le mot. C'est comme deux. T'es pas, on n'y croit pas. Tu sais, on y croit pas, là. Tu veux le Ultimate Warrior. Mais c'est ça, exact. Mais clairement, puis dans ton style, tu sais, on le voit parce que des essais de bon texte pareil, puis tu dégage. Ouais, ben, oui! Tu joues avec ton corps aussi. Tu sais, faut que tu parles. Puis si, c'est vraiment un contrôle de la foule. Tu sais, vraiment, là. Ouais, ouais, un crowd control. Tu sais, quand tu leur dis, tu les arrêtes de parler, tu reviens. Tu sais, moi, j'aime ça faire ça. Jouer avec la foule. Tu sais, comme attends, il y en a un autre qui s'en vient. Tu sais, vraiment, leur dire de fermer leur gueule parce qu'il y a un autre joke. Pis... Mais l'idée, c'est quoi? C'est pour avoir un tempo genre plus régulier? Ou... Ben, c'est à cause que quand tu commences à puncher, un moment donné, man, t'aimes ça que ça soit toujours rythmé. Puis j'aime ça, moi, que si t'as pas compris ce joke-là, l'autre arrive tout de suite. T'sais. Fait qu'en même temps, t'sais, moi, j'aime pas ça stretch des verses. T'sais. Faire un gros build-up pour à la fin avoir un punch, tu viens de perdre 15 secondes. Puis si le monde comprend pas, ben, tu viens de perdre 15 secondes de texte. J'aime mieux en pitcher le plus possible, être le plus méchant en peu de temps. T'es comme une mitraillette. Ah, c'est clair. Je pense que c'est une mélodie. Ça doit être triste en Christ, le gars qui fait un build-up de 15 secondes. Quand l'autre shoot tout le temps. T'es au bout, rien. Colus! J'aime après mes battles que tu te fasses une remise en question. Mais ça doit arriver aussi, j'imagine, après un battle que tu fais genre ah, Chris, cette ligne-là, pourquoi ça n'a pas rentré? Exact, ben oui, même. Autant même que des fois, les gars disaient des ranges comme waouh, ça c'était fort. Tu sais, Excel, il y a juste ça, tu sais, qui dit. Quoi qu'il dit? Il dit, ta mère, elle aime bien mon pénis. Avec elle, je l'échange comme mon tennis. Simple, là, je regarde, ah, ça, c'est pas pénis. J'ai souri. J'ai pas ri. J'ai souri parce qu'il a souri, lui, avec, en le disant. Exact. Honnêtement, il avait l'air fier de saluer. Et tu voyais que, tu sais, il fut installé tout le long, puis ça devait être une qui avait écrit, qui s'est rappelé, qui l'avait gagné. Il était comme, ah ouais, celle-là. Ouais, parce que tu vois, en même temps, on dirait qu'il réfléchissait, puis tu vois, il avait les yeux, puis là, il cherchait. Ouais, mais juste, ça va être fuck mon texte, fuck ce que j'ai préparé. J'étais comme, OK, déjà ça, c'était préparé, man. Ouais, c'est ça. Ben oui. Salut, bonjour, il a commencé fort, par exemple. T'es comme, c'est sûr que quand tu fumbles sur la première ligne, t'es comme, OK, là, ça va. Ah, mais. Ça donne de l'assurance à ton adversaire. Ça va être tight, là. Ça va être clair. C'est ça, je sais. Mais qu'est-ce qui suivait ça? C'était genre, je prends tes lèvres, je vais les séparer. Quoi?
ça veut dire quoi, ça, tabarnak? Dans quel pays, ça, c'est une insulte? Il y a plus American History X, ici, avec le bout du trottoir. Ah, j'en connais, peut-être. C'est ça qui voulait dire. Je sais même pas les lèvres, en fait, mec. Tu sais, moi aussi, je l'écoute. Tu sais, quand il dit « Ta mère, je la saute le lundi, le mardi, le jeudi, le samedi. » Puis là, j'étais comme « C'est qui qui saute le vendredi? » Pourquoi tu sautes le vendredi? C'est juste à ça que j'ai pensé, en fait. Il nomme tous les noms de la semaine. Je suis comme « Dude, ça, c'est fort. » C'est comme « Je t'encule en janvier, en février, en mars, en avril. » J'étais comme « Dude, c'est surtout qu'avant, t'as maltraité sa mère violemment, là. T'sais, puis il essaie de faire un peu un callback là-dessus. Tu veux parler de ma mère, je vais parler de la tienne de belle façon. J'y mets mon poing dans le fion, je le pousse jusque dans le fond. Pendant qu'elle jappe, mes boys l'éclatent, moi je la dick-slap dans le fion. Ouais, c'est en plein là que ma blonde a fait « Ok, moi j'en ai assez. » Ça n'a pas été long, c'est ça. C'est curieux quand tu dis que ça va être un bordel que son père pour sa soeur. Ça a été curieux que vraiment son père soit un pédo. Puis il se met juste à pleurer. Puis comme, Chris, c'est vrai qu'il a fourré. Oh, man. Ou la ligne que t'as le plus rentré dedans, c'était quoi? Je suis David Lynch, t'as qui? Ah, man, c'est beau, ça. Moi, je suis le mélange de Einstein puis de Frankenstein. Je suis David Lynch, t'as Kiko Lynch, Tenstein. Oh, ouais. Ouais, puis t'as juste tellement rentré dans cette ligne-là. Moi, c'est celle-là qui le resté le plus. Mais quand j'ai fait le pattern, pour vrai, je l'avais écrit, puis j'étais comme, okay, wow, l'assonance. Une rime en haine. Ouais, comme c'est ça, c'est top. Je rappe en allemand pendant un bout. C'est ça. Puis tu sais, le gars vient d'Europe, puis réussir à plugger Liechtenstein. Dans un battle. On dirait que tu joues au Scrabble. Ah, oh, mais j'ai essayé. Attends, Lynch. Mon livre, c'est Pierre. Au Scrabble, c'est beaucoup de points. Mon livre, c'est Pierre. Ça m'a fait rire pour vrai. Ça a été décevant, il crache sa bière. Hey, wow! C'est pas sur ma bière d'énergie. il crache, il est même pas content, ouais, il trouve juste ça insultant. Ça. Hey, le tabarnak, ça se dit pas. Ça a été malade que je pète la console. Hey, man, hostie. Liechtenstein aurait fait un autre victime. Il va peut-être pas être con, je sais même pas c'est qui. C'est pas une personne, c'est un lieu. Ah, oh, c'est un lieu. Ah, oh, ben je savais. Ben oui, c'est une autre rue en France, Marco. Le petit pays d'Europe. Oui. Mais sinon, tu m'attends-tu encore? Pas bien. En vrai, j'ai plus vraiment le temps. C'est sûr, j'aimerais ça peut-être en faire un autre à m'emmener. Si l'occasion se présente, si j'ai un adversaire que j'aimerais ça, qu'on aurait du temps pour le faire, que ça serait. Parce que des fois, ils t'appellent et sont comme, ouais, alors on a un événement dans 3 semaines. On aime, je suis comme, j'ai pas le temps. Je veux. Le monde s'attend, comme je disais, à un certain standard. Tu veux pas faire de quoi qui va passer dans le vide ou pas t'appliquer. Ou si je le fais, je vais le faire au complet. Je vais m'investir dedans puis je vais le faire pour vrai. Puis surtout là-dedans. Tu sais, je me rappelle très bien d'Excel, tu sais. Fait que je sais que, tu sais, si t'es pas préparé, ça peut être un suicide. Ça m'a pensé, je sais pas si t'as. Moi, en fait, j'avais vu ceux qui. Je pense que cette année, ils avaient fait Word Up contre Zoufest, puis ils avaient tout mis sur YouTube, genre. Puis ce que j'avais vu, on dirait que le monde de Word Up, on dirait que c'était pas tant préparé, comme si, admettons, ils prenaient plus à légère. Ouais. Un peu, ouais, moi aussi, j'avais trouvé ça. Mais c'est sûr, man. Veux pas. Puis, t'essayes aussi. Tu sais, les gars, ceux qui font du battle savent très bien dans quoi qu'ils s'embarquent. Puis, tu sais qu'en niaisant tu vas te faire niaiser. Puis, le gars, tu vas le niaiser solide. T'sais. Tandis que quand tu battles contre un gars qui fait pas ça, en temps normal, je pense que t'essayes aussi d'y aller modérément. Ouais. Tu veux pas. Ouais. Ce que j'ai pas fait. Toi contre Mike Baudouin, ça pourrait être intéressant. Oh, parce que Mike Baudouin, par cas, c'était une belle guerre. Par cas, il n'a pas eu l'arcade. Mike Baudouin, j'avais bien aimé. Il était mean, mon gars. Bon, ouais, vraiment. C'est quoi déjà la ligue, man, sur ses parents, genre, qui. Il a pas fait de ligne là-dessus, non? En plus, c'est toi qui m'as le compté, Carlis.
C'est pareil. Sur Facebook, est-ce que c'est ça? Non, mais il y a un gag, une line qui dit genre parce que moi, j'ai été élevé par un père militaire puis des bitches comme toi, on les met six pieds sous terre, hein, quelque chose de même. Mais ouais. Il finit son verse d'habitude. Mais il dit que tout le monde se calisse de lui, que genre, je sais pas trop, ses parents, même eux, ils like pas ce qu'il fait sur oui. Parce que ses parents, je pense, étaient partis. Il était parti quand il était jeune, mettons, habité dans un autre pays, puis genre, en tout cas, il a fait un. Je me rappelle pas c'était quoi la ligne, là, mais genre, il est allé là-dedans, mais c'était mille. Bon, on va l'écouter, on vous revient. Ouais. Non, mais tu voyais vraiment les yeux du ça gars. Ça coupe, ça revient. Oh! Mais tu voyais vraiment les yeux du gars que ça y a fait de la peine. Man. Il y en a plein, man. Il y en a vraiment, tu sais, des gens. Tu sais, moi, je me permettrais pas de faire ça, tu sais, mais il y en a vraiment. Tu sais, là, ils vont niaiser. Ta mère a le cancer, tu sais, ils vont parler de ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de limite. T'sais, tu traces toi-même ta propre limite. Mais personnellement, il y a des choses que moi je ferais pas. Tu sais, tomber dans l'ultra personnel. De un, ça donne à rien. Tu sais, c'est juste à être chien pour être chien. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y en a des astuces de lignes de même. Que même la foule est comme, oh, aime ça. Mais je me rappelle que moi, des fois, j'étais comme, raide. Tu sais, puis à un moment donné, il y avait une de mes chums. Tu sais, je me rappelle, sa mère avait une maladie X. Tu sais, puis l'autre, je pense qu'il avait de l'Alzheimer, une affaire de même. Tu sais, puis il parlait à sa mère. Tu sais, puis. Il a dit, sa mère, je pense qu'il avait le cancer, whatever. Puis elle a dit, Capi, ça s'est-tu bien passé? T'as genre ta joute oratoire, tu sais. Puis c'était comme les deux mères, une avait ça de l'Alzheimer, elle avait le cancer. Puis elle a dit, ouais, mais là, il m'a niaisé sur le fait que t'avais le cancer. Puis sa mère a dit, ouais, mais moi, je m'en rappelle. Parce que là. Là, j'étais comme, wow, ta mère est solide. Oh, wow. C'est la meilleure ligne. C'est la mère du gars qui l'avait sorti au téléphone. Elle est toute capotée. Je suis comme, wow. Oh, man, ta mère devrait venir battle. Oh, c'est malade. C'est malade. Bon. Ça rappelles-tu du premier album que t'as acheté? De ta vie, là. Le premier album que j'ai acheté de ma vie, ça a été sur Maison Columbia. Puis je pense que ça a été Funk Dubious. Que j'avais ouais. Non, c'est pas vrai, c'est Cypress Hill, Black Sunday. Ouais, exact. Avec Insane in the Brain. Ouais. Ton premier joint était en même temps, papy. Sûrement, ouais. Sûrement, avec sur Boom Billy Bye Bye, l'album d'après. Je pense que c'est dans mes premiers, tu sais, naturellement, le bundle de 10 CD que tu recevais par la poste. Ouais. Je pense que j'étais comme une petite affaire trop jeune pour embarquer. Pour avoir Maison Columbia. Ben, je l'ai vu passer, mettons. Là. J'avais un de mes amis qui s'est abonné parce que ses parents s'étaient abonnés, mais Alors, c'est un racket. Après, t'en achètes plein. Mon début, tu voulais tous tes 10 CD gratuits, là. Pis c'est quoi, il t'a envoyé un 10 CD gratuit? T'avais un livre, tu recevais un livre à tous les mois, puis dedans t'avais tous les albums techniquement qui venaient de sortir, tu peux les avoir en cassette ou en CD, puis quand tu t'inscrivais t'en avais 10 de ton choix, puis t'amenais 10 CD. Depuis ça, fallait que je pense que t'en achètes 5 sur une période de 2 ans. Puis à toi et moi, tu recevais un livret. Puis à un moment donné, il te proposait un album, tu sais. Puis personne n'est payé à la fin, puis tu recevais une agence de collection d'une lettre. C'est l'équivalent, mettons, genre des plateformes qui te donnent un mois gratuit, puis ça, tu charges automatiquement. Ah, ça, c'est ça. Tu sais, t'avais 10 albums gratuits, mais après, tu te vendais un CD 32$. Ouais, là, c'est ça. Yeah. 10 albums gratuits dans le temps que ça valait genre 18$ un CD. Ben, c'est ça, exact. Si t'avais moins d'argent, tu savais parce que t'achetais les cassettes. Oh, c'était moins cher les cassettes? Je me rappelle. C'était des 8 tracks, esti. Mais je sais pas, je me rappelle juste l'écouter d'un vieux Volvo, esti. C'est ça. Ouais. Les 8 tracks. C'est sûr, esti, c'était moins cher. Esti. Non, mais je me rappelle. Ça prend une DeLorean pour écouter ça. J'ai le 8 tracks de Shaggy. On va-tu nommer à Volvo? 8 tracks de Shaggy. Là, je sais plus, je suis rendu où, là. T'écoutes quoi comme rap cab? Rap cab, man, j'en écoute pas beaucoup. Non? Je te dirais. Ah, j'écoute... j'aille ça. j'écoute, je te dirais. J'écoute pas mal mes chums, en fait, puis les gars du battle que j'ai côtoyé. J'écoute à la claire, j'aime bien ce qu'ils font, parce que je connais bien Baby Watts, puis les gars, j'aime bien ce qu'ils font. Loud aussi, naturellement, c'est très bon, lyricist. Mm-hmm. Ouais. Corias, parce que j'ai rappé avec. On avait un groupe dans le temps, avec Bootleg, puis c'est un de mes chums. C'est très fort ce qu'il fait. J'écoute un peu de scène underground, je te dirais. Tu sais, enfin, moi, je suis un collectionneur de vinyles. J'ai 2200 vinyles. 2200, J'ai même un vieux jukebox, un World Edzer 1953. Oh, ouais. Que
juste des tonnes en bas de 1960. Que c'est nice. J'imagine c'est juste bon avec ça. Une scène en carton, la rentrée dedans puis ouvrir la machine. Pour man, t'as deux tonnes pour 5 cents. Ah ouais? Il marche, ah, il marche ouais. très bien. Même. Ah, c'est ah, nice. Sonne c'est là, comme 1953. T'écoutes-tu après n'importe quoi comme musique? Ou... De tout, man. Ouais. Je suis un grand fan des Sevenings, mon gars. Ouais, ouais moi avec, j'adore ça. Cool. T'as-tu des vinyles un peu spéciales que t'as ben tu sais, c'est à cause que j'ai comme toutes les Pink Floyd, toutes les Led Zeppelin, toutes les Doors, Electric Light Orchestra, Real Speedwagon, les vieux Chicago, les vieux, même en français. Moi, je voyage, tu sais, j'ai peut-être fait, je sais pas, pas trop combien de pays j'ai fait, mais enfin, tu sais, quand je voyage en Europe, surtout, je pars des magasins de vinyle, puis je me pige des boîtes de vinyle. Ouais, c'est à ce point-là. T'es vraiment un passionné, genre. Exact. Tu sais, les affaires que je trouverais pas ici, l'importation, whatever, tu sais, je vais dans les disquaires, j'y trouve, puis je me pige des boîtes parce de vinyle. Il y a des releases étrangers qui, ici, valent plus cher, right? Ouais, non, mais tu sais, j'emmagasine pas vraiment, même pour, tu sais, si c'est une édition japonaise, whatever, ça va être excessivement cher, mais c'est vraiment pour avoir la album et mettre chez nous. C'est pas leur fond. C'est dans le temps de Noël, là, tu sais, je mets mes Sinatra puis mes Dean Martin. Oui, c'est mes Sinatra puis mes Dean Martin, mes Rat Pack, tu sais, puis ça marche vraiment. C'est que j'adore ça, que tu Sinatra dans le temps des fêtes. Ah, ouais, une journée de marge, je vais me mettre des 80s, là, tu sais, juste parce qu'il faut que je remonte la morale un peu. Don't stop believing! Exact. Ça va aller mieux demain. Ça va aller exactement. J'avais une fois un vinyle vraiment weird des Beatles, c'était un vinyle. Avec les bébés, là. Les poupées, les bébés, la tête arrachée, genre. Non, pas celui-là. Tu l'as-tu, celui-là? Quoi, non, je l'ai pas, celui-là. Okay, ben, c'est l'album qui vaut genre. Ça, ouais, ça vaut cher. 500$, je pense. Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Non, non, c'est. Ouais, parce qu'ils l'ont discontinué, celui-là, après un peu de temps, là. C'est comme des bébés, des poupées de bébés avec les têtes arrachées, brûlées, là. Parce qu'ils ont remélangé de la viande avec des bébés décapités. Ouais. Sur une pochette, c'est weird. C'est qui? Mais les Beatles. Ouais. Les Beatles? Ouais. Ça n'a pas tout fait longtemps, c'est pour ça qu'il est rare le CD. Mais... OK, ouais. Mais non, c'est le CD que j'avais vu, c'était comme une espèce de compilation d'affaires qu'ils ont fait à travers le monde. Okay. Puis c'était... c'est pas le même que je parle. Puis il y avait She Loves You, mais en allemand, qui avait un release en Allemagne. Wow! Puis c'est... Ich love in... Non, c'est... Ich love in 999! Mais c'était en plein ça! En canon aussi, avec des backbooks. Wow, oui, je te jure, mais c'était vrai de ça, man. C'était tellement weird. C'est un vinyle bien plein de ces tunes-là. Il y a des affaires, je pense, en mandarin. Calvaire. Parce qu'il y avait ça un petit peu à travers le monde. Fait que t'avais des versions dans d'autres c'était langues. C'était vraiment Lee Beatles qui chantait? Je le sais pas. C'est peut-être une équipe. C'est John Lennon, mon grand Punjabi. Ça doit être solide. Oh, ça doit être solide, là. Mais, je te rassure, je n'ai pas cet album. Ah oui, ils ont sorti cet album quand même le temps de 500$. Écoute le refrain, là. En ukrainien, c'est les cœurs, hein. Là-bas, il se cachait pas, il amenait son enfant sur le stage puis il battait live. Là, ils ont sorti Yellow Submarine à Bollywood. Là, tout le monde clappe dans les mains quand quelqu'un commence à danser. Finalement, ça m'a le parent, cet album-là. Ouais. Ils ont le même suit que sur Sgt. Pepper. Merci de m'avoir aidé. Ben, sur justement, le vinyle de Yellow Submarine, la face en arrière, c'est tout le George Martin qui fait genre avec une orchestre symphonique. Genre, je sais pas si t'as déjà entendu ça. Je sais pas. Ben, à un moment donné, j'en ai ouais, c'est bien précis. Tu sais, j'aime bien. Tu sais, toutes les offres. Tu sais, Accept, Dio, man, toutes les Maiden. Ah, nice. Pennywise, Black Sabbath, tu sais, tout. Ouais. Ah, c'est cool. T'aimes-tu le vieux Maiden avec Paul Dio? Ah, ben. James Dio? Non, le premier chanteur de Maiden, Paul Dio. Ouais, exact. Ben, écoute, man. Tu sais, de là, ça. Tu sais, puis je connais les dates des albums, en fait, beaucoup. Ouais. Ah, c'est oui. Sûr, le nom du bassiste de whatever m'a amené, là. Non, mais c'était le premier. Le premier ça, t'es fan de musique, pas autiste non plus. C'est ça, exactement. Ouais, non, mais. Moi, j'allais mettre des allumettes à terre, le premier du vinyle. Non, mais c'est parce que les premiers albums, mettons, ils sont quasiment plus punk, parce que le gars, c'était genre un plus un punk. Ouais, c'est genre, quand même une bonne contraste, genre là. La musique Maiden, en fait, j'aime bien, man. Mais. Puis ça dépend de tous les Ozzy, man, aussi, même affaire. Ouais. Puis mes chums, quand ils viennent chez nous, c'est quand je peux se mettre des vinyles, tu sais, puis tout le monde gosse, tout le monde a un album, tu sais. Puis quand je fais des parties, l'année, oublie ça, là, tu sais, tu punk Pink Floyd, il y a Led Zepp qui est dedans, tu es comme tabarnak. Là, t'essayes de trouver, il est où le vinyle, tu sais, dans quel gars mêlé l'a mis dans quelle pochette, là.
Au moins, il faut pas que tu recules comme des VHS. Non, non, c'est ça. Rewind pendant 2 heures. Un petit party weird où on écoute 28 VHS en même temps. Oh, tabarnak, man. Oui, il y a les vinyles aussi qui font printer à Star sur des disques un peu fucked up, là. Genre, ça, je trouve ça tellement nice, là. Mais c'est très cool, tellement man. Tu sais, moi, je vais bien gros 33 tours en ce moment à Montréal. C'est pas mal la mecque, là, du vinyle. Il y a Death of Vinyl Saint-Laurent. Il y a le Beatnik. Tu sais, il y en a plein. On va... Toutes les places, c'est moi, quand je travaille en ville, mettons, j'ai 4 heures à perdre dans ma journée, je vais dans un magasin de vinyle encore. C'est sûr. J'achète encore 3-4 par semaine, à peu près. Le Beatnik, ça existe encore? Je sais pas si ça existe encore. Ouais, en fait. Ouais, il existe. Celui qui est Saint-Denis, là, en bas. Je sais pas si il a changé de place. Okay. Ouais, ben, honnêtement, je suis jamais allé, mais je passe souvent devant. Je pensais que ça allait fermer. C'est les ventes 33 tours. Quand faut que tu campes là 3 jours avant, c'est-tu, moi, pis ça, je suis allé avec un line-up de 2 semaines. Vous l'avez dit. 33 tours, c'est quand même pas pire dans la vente trottoir qu'il y a sur Mont-Royal avec toute leur vignette à 1 piastre, là, pis il y a des bons trucs. Moi, je passe par là. Tu sais, puis des fois, j'achète des affaires que je connais pas. Tu sais, le nombre d'affaires que j'ai découvert en achetant un vinyle juste parce que la pochette était weird. Finalement, j'admets, je suis comme Chris, c'est fort. Puis il y en a qui font. Ben là, moins là, avec le digital. Là, mais encore dernièrement, j'avais vu un album, c'était un CD, c'est-à-dire, là. Puis il venait dans un Ziploc, puis il y avait des confettis dedans. Puis c'était genre un album, puis le titre de l'album, je pense, c'était Let's Party ou quelque chose de cheap. Wow. Mais c'était vraiment ironique, là. Fait que dans le fond, eux autres, t'es comme, bon, ben, mettez l'album, puis je pense qu'il y avait le mode d'emploi, je sais pas trop, tu mettais l'album, puis tu lançais tes confettis. C'est malade, ça. Si, je trouvais ça drôle. Il y a des confettis, une fiole de GH, un CD. Tu mets l'album, tu pognes la fiole, pitch les confettis. L'album est écœurant. C'est malade. T'as de la quête, mais marqué, il faut que t'attendes que le GH kick avant de faire ta kétamine. Après, ouais. Non, mais de toute façon, il n'y a rien. La toune 1 à 5, ça part à la toune 6. Pour laisser le temps d'embarquer. C'est exactement le temps que ton con va le léger. Ah, oh, ça serait bon. Oh, tabarnak. On a plein d'idées marketing. Ben oui. On se lance. Le premier bord du vinyle, rien. Mets des 11 barres de casque en vinyle. Ça serait bon. Casque en vinyle. On pour les patchons, mais juste un pour les patchons, ça pourrait être deux. Ben oui, ok. Ah, mais c'est vrai, tu devrais faire un. Oh, en tout cas. De coûter cher, par exemple, en produire un. En produire un, ça doit être ouais. Ben non, je pense qu'on pourrait en produire 1000. On va tout vendre ça. Ben oui. Écoute, on va arrêter le montage. On va mettre le podcast en vinyle. Ben oui. C'est quand même drôle. C'est drôle, tabarnak. C'est une bonne idée. Ouais, j'ai jamais. Clairement, on le fera pas, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Non, on le fera jamais, là. Mais. Non, honnêtement. Tu m'as trouvé des investisseurs. Non, honnêtement, je peux. On brainstormera plus tard. Ben ouais, on ira voir le GoPro. Ben ouais. Ils vont nous. Ouais, fait que c'est ça, là, on a une idée. Là. pas trop nice et coûteuse à vous proposer. C'est très coûteux, ouais. Pas rentable et coûteuse, je sais pas si ça vous intéresse. On va en faire un. On va le garder, par exemple, on le vend pas, là. Ouais. Toi, tu travailles en finance. Fais des études. 6 mois, c'est ça. On va faire une étude de marché, là. On fera pas beaucoup de cash. Ça va coûter cher, mais ça va être drôle. Ça va être très drôle. Non, c'est pour la joke, là. C'est pour la joke. Ouais, sinon, t'es aussi un fan de fight. Mettons, là, je te demande ça, là, genre, fais-moi un top 3. All-time fighter. Nice. Ouais. Ben là, je vais dire 5. Bass Rutten. Oh, ouais, moi aussi. Ouais. Ben non, on est-tu juste dans la MMA ou... Whatever. Okay. Tu peux me donner un karatéka, je saurais pas c'est qui, mais c'est ton fighter préféré. Je dirais Bass Rutten pour les bons vieux Atemi, man, puis les claques qu'il donne. Ah, ouais, je l'ai vu. C'est malade, il ramasse les gars, il sort des chars. À comment dans le tour. Ah oui, tu te fights. Il a tellement l'air encore solide, man. Tu es âgé, man. Il a l'air d'une beast encore, man. Il a 51 ans, quelque chose de même, puis il a l'air de vouloir. Il va te décalisser demain matin, là. Il se lève, vraiment. Ben ouais, clairement. En plus, c'est genre le premier fucking bon striker, genre, que les MMA a connu. Ah, ben all around, en fait. Genre, tu sais, c'est comme quand il. En tout cas, une année dans sa carrière, il a fallu qu'il fasse du sol, puis il est devenu genre. Il a tapé 6 gars quand il a commencé à connaître ça, là. Ah, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Non, c'est un complètement débile.
J'avais bien, ben, naturellement, à GSP, tu sais, on touche les fêtes. Je pense que c'est un incontournable. Je pense qu'on a tous vu ses combats. Ouais, ouais. J'aime bien l'ancien Silva. Ouais, ah, non, avant, il était dominant. Exact. Mais le combat qu'on a vu là, contre. Ouais, celui contre Adesanya. Adesanya, exact. C'était nice comme combat. Moi, je trouve ça beau. C'était très nice. C'était très nice, mais tu voyais que c'était pas le bon vieux Silva qui va te pogner les cheveux. Il est rendu vieux aussi, là, mais c'était un combat qui avait beaucoup de respect entre les deux. Mais ce que j'ai aimé, c'est que t'as revu, genre, pas l'énergie nécessairement, tu sais, genre, mais le genre de personnage d'Anderson Silva qui avait pas fait. Ouais, tu sais, mettons, genre, quand commence à bouger les bras, comme un peu plus. Ouais, c'est ça, exact. C'est genre. C'était rendu le vieux cocky, mettons. Ouais, ouais, clairement. Ça tenait pas de garde. C'est Vince Neil qui continue à se mettre en bed-end pour faire des shows, mais qui est rendu dégueulasse, là. Mais tu sais, ça me passait la fin de la plus triste. J'avais vu un comeback. J'avais vu un comeback des Sex Pistols dans les débuts 2000, je pense. Puis t'avais le chanteur, je pense que c'est Johnny Rotten, son nom. Ouais. Le chanteur était là, puis j'entendais une toune, puis là, il était là, genre, bam! Il sortait sa langue, puis il levait son chandail de même, genre. Mais le gars, il est rendu tout dégueulasse, puis genre vieux, en tout cas, je crois ça vraiment absurde. Oh, man. Il y a des rockstars qui vieillissent pas, mais Kiss, eux, par exemple, ouais, ils vieillissent bien. Ah, mais il y a pire, là. Il y a des rockstars juste qui vieillissent pas, là. Ah, moi, le plus drôle, c'est quand que Kiss, eux, ils se bleachent le chest. Parce qu'évidemment, ils ont le chest blanc. Mais ça paraît, tu sais, des cheveux blancs qui sont. Quand même. Teint, là. Ben, tu sais, j'ai vu Guns au. À l'île Sainte-Hélène, tu sais. Ouais. Tu voyais Slash avec ses curly hairs, avec son chapeau haute forme. C'est sûr qu'il enlève son chapeau, les cheveux sont comme scotchés après. Tu peux pas avoir de si beaux cheveux bouclés, hostie, à 60 ans. Ce serait malade qu'il y ait un Jim Corcoran quand il a son chapeau. C'est comme, oh, tabarnak. Oh, man. Il y a un tank qui donne une petite claque sur le chapeau. Ah non, mais tu sais. Il commence à se battre avec parce qu'il est gêné. Tout le monde rit, puis il lance des de poudre, hey, non, mais tu sais, c'est fou, là. Tu sais, t'avais Axel Rose, là, qui avait une shape de lutteur, là, un gars qui lutte contre le cancer, aussi. Oh, ouais. Puis l'autre, aussi, là, avec les cheveux survoltés au Pantene Pro V, c'était terrible. J'avoue que, genre, tu sais, je pensais à ça. Ben, genre, dernièrement, j'ai vu que, je pense, c'est eux qui font Here I Go Again, c'est quoi? C'est Whitesnake? C'est Whitesnake. Whitesnake, ouais. Je pense, ils faisaient un show avec. Poison, que de même. En tout cas, peu importe, mais j'étais genre dans ma tête, c'est juste comme moi. Il me semble que c'est comme absurde que genre, que t'étais un sexe symbole, puis genre, tu sais, ce que tu dégageais, c'était un peu ça, genre ton Ben, dans les années 80. Puis là, de voir le vieux Calis qui essaie de jouer encore ce game-là. Ben, j'ai vu Judas Priest puis Deep Purple, man, au Centre Bell. Ouais, Puis Judas Priest, man. C'est une chance qu'il y avait un moniteur là, pour lire les paroles. Il y avait ses lunettes. Un soude de cuir avec des studs à 65 ans. Ouais. Ça n'a pas une chouin quand t'es un jeune rebelle dans la vingtaine. Ça, c'est clair, mais il y a quelque chose d'à la fois pathétique, mais extrêmement poétique là-dedans. Là. C'est écœurant, tu sais, le monde terripait, puis tu sais, tu voyais. Mais ça clashait quand même. Clair, mais Deep Purple, ça devait être encore Deep Purple, c'était Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai repogné un trip de Jim Morrison pour Doors ces derniers temps. J'en écoute vraiment beaucoup. Puis je me suis questionné parce que, techniquement, il sera encore vivant. Je me demanderais, il ferait quoi comme musique? Parce que tu vois des entrevues de lui. Il serait brigadier, probablement. Non, non, mais tu vois, ça se peut aussi. Il y a un quiz télé. Non, mais tu vois des entrevues de lui qui dit, genre, il est défoncé. Puis il est comme, le rock, c'est mort. Ça va s'envoyer. Ouais. Ça va s'en aller vers le techno. Puis tout ce qui est plus électronique. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Fait que ça serait peut-être juste un vieux Alice DJ. Ça se pourrait, mais tu serais malade. Un genre de Claude Rajotte au platine. Imagine les Doors dans les années 80, comment que ça aurait pris une hostie d'érable. Ça aurait été come on, guys. Il aurait sûrement fourré sa table tournante pour choquer le monde. Tu fais tout le temps des affaires choc, comme dire c'est quoi, il y avait un show. Puis dans Toon, je pense que c'est This Is The End, il dit genre qu'il va fourrer mother, sa mère. I want to fuck you all night, baby! Ouais, puis c'est dans un film. Tu sais le film de The Doors, justement, tu vois cette scène-là, puis il y a les policiers qui le sortent, puis ils mettent les mains dans le dos, ils disent « Ain't nobody's gonna fuck their mother here, boy! » Ils sortent de... Asti, c'est la scène la plus drôle, mais... dans le film Clément, c'est pas passé de même dans la vraie vie, mais dans le film, il est juste outré, puis il se pend après une clôture, comme « No, fuck that! » Puis comme « Do you wanna tape my bomb, Jit? »
OK, et puis des bandes Non, mais apparemment, le film est assez exact sur la réalité parce que tous les membres sont encore à peu près tous vivants. Ouais. Puis ils ont tous vraiment assisté la réalisation. Puis il y a un documentaire qui est fait sur les Doors, qui est sur Netflix, qui s'appelle When You're Strange. Check le documentaire. Puis c'est à peu près exactement comme le film, mais avec des vraies archives vidéo ou audio. Il n'a pas fait un CD ensemble, justement, puis c'était Ray Manzarek, le gars au clavier qui chantait, je pense. Il faisait des shows quand Jim Bob était out. Ouais, quand il était pas out, mais là, il est pas out. Leur dernier album qu'ils ont sorti, quand il était interdit de concert. Ils mettent son cadavre, puis ils font juste le poker avec un bâton, comme mon tabarnak. Weekend chez Bernie. Ça soit réaliste, sont tout le monde en tabarnak. Il y a des cordes ici pour le faire aller. Ils mettent du surprise sur le corps parce que c'est ça, on n'avait pas d'argent pour un hologramme là. On est allé t'intéresser, Jim. Il y a comme dans Home Alone, ils mettent sur un train puis ils bougent. Puis la foule le sait pas là, il arrive là, il y a un drap qui recouvre de quoi. Là il y a la ben arrive. Le monde se rend, ça pue dans ben ici. Là, t'as juste le bassiste. T'as juste le guitariste qui arrive, genre, vous vouliez voir Jim, et bien, le voilà! Là, tout le monde est comme, oh, tabarnak! Avec un clavier, là. Jim Morrison featuring Gigi Allen! Juste avant l'hologramme. Ouais. Ben, j'aimerais ça faire là-dessus. Y a-tu un moment sur scène que ça a vraiment mal été, genre? Une astie de poids de marre, là. Pas vraiment, je te dirais sur stage. Merde! Non, ben, ça a tout été des bons battles. Je te dirais que j'ai fait, à part Vitek, la banane, qui m'a décontenancé, même, ça n'a pas vraiment été... ça peut être un moment humiliant ou whatever, mais je pense que si t'es prête, t'écris bien, tu fais une bonne performance, même que tu perdes ou que tu gagnes, so what? Ça va être bon pareil, puis peu importe ce que le monde te dit, ça reste des jokes, que tu parles de, je sais pas, là, de consommation de dope ou de... j'ai pas vraiment fourré la mère de Chili Chill. Non? Non, c'est ça, contrairement à ce que le monde pense. Puis Nathalie puis Didier, eux autres. Nathalie Didier! Ce battle-là, j'aimerais le dédier à Nathalie et Didier. J'ai vraiment aucune idée sur dans quoi leur fils vient d'embarquer. Mais sinon, dans l'autre sens de sa question, y a-tu un verse que t'es vraiment le plus fier? Une line, ce serait quoi? Le Lynchstein, mon gars, c'est très fat. Je te dirais mes bonnes vieilles jokes, man, de vétérinaire à Chili Chill. Oui! Ta mère est tellement chienne que je la saute sans préliminaire. Avec elle, on joue pas au docteur, mais au vétérinaire. Puis même sa blonde a même. Parce que quand je parle au sel, elle m'appelle César parce que César parle au chien. Hey man, pour elle, tu sais, j'ai dit que j'ai réveillé ma blonde hier, je pense, c'est sur cette ligne-là. C'est sur cette ligne-là. J'ai ri fort en tabarnak. On m'appelle César parce que César parle au chien. Ça m'avait fendu en deux. Puis le pire, c'est que je me rappelle tellement, tu sais, j'étais. Genre, c'était genre un verre de vétérinaire, tu sais, pis je me rappelle, je switchais pas de la télé, tu sais, pis c'était comme César parle au chien. Je suis comme un peu sous, man, avec une bière, je suis comme, ben ouais, c'est ça, César parle au chien. Là, j'ai comme, Chris, c'est drôle, mais là, je me suis fait avec un crayon, un papier, un crayon. Ah, c'est que c'est bon. Ah, ouais. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci, guys. Merci de l'invitation. As-tu des shit à plugger? Pas en tout, man. J'ai rien à plugger, man. Absolument pas, man. Peut-être qu'un moment donné, je vais revenir battle. Un moment donné, je le sais pas. Pour l'instant, c'est sûr, les trucs à radio, JC rendu à TV, sport. Fait que ça occupe un peu tout. Puis à part ça, man. That's it. Mène à plugger. Yes, ben. C'est vrai qu'on étire le silence qui se malaise. Alors, vous pouvez voir Alex Cardinal sur Instagram, là. Likez mes photos de voyage. Mais je m'en vais souper chez Barbies tantôt. Mais si tu veux venir m'humilier, je vais avec un bâton, je viens quand t'es prête.
C'est sûr, quand, quand tu peux venir, ça tente. Pas... Non, 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 mais on va se donner. Je serais très à dents pour faire ça. Je veux venir te voir humilié. Ah oui, oui. Faut que tu me le dises d'avance, je veux voir ça, moi, avec ça. On va te donner du matériel. Ouais, j'ai une chose à plugger, ça pourrait être ça. Alright. Puis mon GHB, sinon, à tous les mardis. Ouais, tous les mardis, 9h à l'Abreuvoir. Ben, vous le savez, ça fait comme 8 épisodes que je le dis, plus un 13 épisodes que je dis, hey, je vais avoir quelque chose à plugger dans pas long. Fait que vous le savez. Ça, une soirée d'humour. Une autre. Mais politiquement incorrect. Oui, non, Emma, c'est fucking nice. Ah ouais, allez-y, allez-y, c'est vraiment cool. Yes. Fait que, ben, merci tout le monde d'avoir écouté, puis bonne semaine. Bonne semaine, yes, ciao. Bonne journée.